kolot qui sont écrits. C'est quoi, voilà, kol sason, kol simcha, kol chatan, kol kala. Non, non. C'est-à-dire que avant de te poser une question sur le tu peux te poser une question sur le pasouk, quoi. C'est quoi ce balagan? Kol sason, kol simcha, kol chatan, kol kala. Bon, tu trouves un lien. Kol à Omrim, Odou Lachem, comment marqué? Bonireta Pasuk Bifnim. Pourquoi la question est là? Je suis en train de la poser, mais tu veux pas? Mais non, tu veux pas? Oh, s'il te plaît, hein, tu t'énerves pas. Hein. S'il te plaît. Ça nous fait peur un mec qui s'énerve, surtout quand c'est un skinhead. Allez, viens. Léon, il écrit comme ça dans le verset. Kol sason, bekol simcha, kol chatan, bekol kala, kol omerim, odou et hachem tsevakot, ki toiv. Odou et Hachem Tsevakot qui toiv. Remercions l'Éternel des multitudes, car il est bon, l'Éternel qui toiv Hachem. Donc on est en train de glorifier la bonté divine. Kilolam chasdo. Parce que éternel est sa bonté. Mevim toda bet Hashem. Tu vois comme c'est très mal écrit ou pas, Dan? Non, c'est-à-dire, pour comprendre le sens du verset, il faut aller jusqu'au bout et après reconstruire le puzzle, quoi. Nous, on aurait dit, ouais, kol a mevim, ouais, toda. Bébet Hachem, chez Omrim. Ouais. D'abord, on a parlé de Kol Khatan, Vekol Kala. Donc, on parle du sujet. La voix du Khatan, la voix de la Kala. Après, la voix de ceux qui amènent le Korban Toda et qui disent, non, on dit Kol Khatan, Vekol Kala. La voix de ceux qui disent. C'est qui ceux qui disent? Attends, je vais te dire, attends. Bah, ce qu'amène le Korban Toda. Non, normalement, si tu ne veux pas générer un suspense quand tu parles, d'abord, tu... les femmes, elles ont du mal à s'exprimer comme ça. Les femmes, elles parlent dans le désordre, en général. Je ne sais pas si vous connaissez le problème. Ouais. Elles parlent ce qui leur parle et pas ce que nous, on doit entendre, des fois. Ouais. Il y a un truc qu'elles ont envie de dire, elles le disent en premier lieu. Et tu attends que finisse la phrase, qui peut durer 3 minutes, pour reconstruire le puzzle. Ça vous arrive des fois des trucs pareils ou pas? Ouais. Bon, c'est comme ça, c'est la femme. Et là, c'est Irmiaou, c'est un homme qui parle. C'est un avis. C'est des Berouach HaKodesh. Ah, alors, il y a la voix du Khatan, il y a la voix de la Kala, il y a la voix de ceux qui disent, etc. Ils disent ça, Hachem, nanana. Ceux qui amènent le Toda. Moi, ceux qui amènent le Toda et qui disent. J'arrive bien à me concentrer comme ça, je sais de quoi tu parles. Là, j'ai perdu le fil avec ton histoire. Et qui c'est qui dit ça? Le Khatan, le Kala? C'est Khatan Kala qui dit ça? Odou, Shaza Kitov, Kilol, Khasdo? On a l'impression que c'est le col du Khatan et Kala qui parle. Quand tu lis le verset d'Ad, on a l'impression que c'est encore Kol Khatan et Kala. Kol Omrim? Ouais, ça pourrait être le Khatan et Kala en vérité. Le col de ceux qui disent. Ouais, ça pourrait aussi être le Khatan Vekala, quoi, qui disent ah, qu'est-ce que ils sont heureux, que Hachem il est bon et tout ça, hein, qui expriment leur gratitude. Non, 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 mais vim toda bet Hachem. Non, non, non. Ceux qui disent que l'Éternel, Dieu des multitudes, qui remercions
l'Éternel, Dieu de multitude, car il est bon, l'Éternel. Qui le l'homme Rasdo, parce que sa générosité est éternelle. Qui c'est qui dit ça? C'est pas le Khatan Verkala ou le Sasson Vesimra, Nagui des invités. Non, non. C'est Mevim Toda Bet Hashem. Quel rapport? Quel rapport? Bah, le rapport, si on relit le Passouk dans son contexte général, si on relit le Passouk dans son contexte général, en réalité, c'est Khatan et Kala qui sont hors sujet. Hein. Pourquoi c'est Khatan et Kala qui sont hors sujet? Parce que nous, on parle maintenant, les amis Israël, ils pleurent. T'as vu Jérusalem, c'est une vraie ruine, etc. Truc, et le David, il t'inquiète pas ici. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Ici, on entendra les exclamations de ceux qui apportent le Korban Toda et qui remercient Hachem, etc. Ce qui est le plus dans le sujet, c'est la consolation que ce lieu de désolation redeviendra un jour un lieu de remerciement où tout le monde dira qu'Hachem, il est que bon. Tu vois, là, on a l'impression qu'Hachem, il est mauvais, ouais, quand tu vois le Tanisage détruire. Tu dis non, ce jour-là, non seulement on rapportera, cet endroit-là, il sera reconstruit, et on y apportera des corbanotes, et pas n'importe quel corbanote, que corbanote qui exprime que Hachem, il a toujours été bon. C'est un petit clin d'œil. Il a toujours été bon, qu'il est Olam Rasdo. Comment, ben? Donc, c'est bien ce corban pour consoler les déprimés de Sion. Donc, il n'est pas hors sujet, en vérité, le kol omrim odou et Hachem tsevakot. On entendra, là, t'entends les renards qui roucoulent dans les ruines du temple. Et un jour, tu entendras les exclamations des apporteurs d'offrandes de reconnaissance sur la bonté divine éternelle. Donc, c'est le contraste. Tu me suis, Léon, ou pas? Pourquoi qui achiv et jouta ares qui va richona? Et on justifie parce que achiv, je vais ramener et jouta ares qui va richona marachem. Je vais ramener les retourneurs de la terre, comme au début, il a dit l'Éternel. Donc, ce qui nous dérange en vérité, c'est plutôt Kol Sasson et Kol Simcha, Kol Khatan Kala, qui est sa foula, quoi. Dans le contexte de la paracha, c'est Khatan et Kala qui sont en trop. C'est pas Mevim Toda qui sont en trop. C'est bon, Yonatan ou pas? Non? Comment? Vas-y, dis-moi en quoi ça t'aide, cette belle image. Donc, on ne parle pas de Simchat Ratan Vekala, tu dis. Donc, si on ne parle pas de Ratan Vekala, pourquoi maintenant la Gemara dit qu'on parle de ça? La Gemara dit, si tu n'es pas Messamer le Ratan, alors tu es ouvert sur ça. Elle dit, pour toi, ça n'a rien à voir. C'est complètement allégorique. C'est euphorique. C'est une image. Donc, la Gemara ne dit pas comme toi. La Gemara ne dit pas comme toi. La Gemara, on parle bien de Kol Khatan et Kol Kala. Bien de ça. Parle un peu plus fort parce que Julien n'est pas là, tu n'es pas obligé de prendre son rôle. Comment? Le quoi? L'union? Mais qu'est-ce qu'on entend? On entend Kol Khatan et Kol Kala, on entend le Kol Hashem et Kol Am Israël. C'est Kol Khatan et Kol Kala qu'on entend, Mamash ou pas? Alpipchat, de quoi? Qu'est-ce qu'on entend? Ah d'accord, donc Abubchat vers le Pigmarag. Pas exactement, non. Non, pas exactement. Il parle d'une étape bien après. De la joie. Voilà. Bon, il ne parle pas vraiment du contraire. Il parle de l'étape finale. Qu'il y a un Betamigdash. Ambiance musée, c'est pas terrible. Chez nous, on a une belle maison et tout, de religion. Non. On parle maintenant de Jérusalem. Jérusalem, c'est un lieu d'allégresse. Bien qu'à Hanouka, les Juifs, ils disaient, allez, Grèce. Ouais.
Alors, on va revenir après cette grande période d'assimilation héritée à Hanouka. Allégresse. La joie. La joie. La Vodat Hashem se fait Bessimcha. La Vodat Hashem se fait Bessimcha. La Vodat Hashem, c'est être en harmonie. La Vodat Hashem, c'est être en harmonie. C'est quelque chose d'harmonie. Une symbiose. L'harmonica, hein? C'est que de vivre en harmonie avec soi-même, c'est une première étape. T'as un gouf, t'as une neshama. De vivre en harmonie avec sa femme, c'est une deuxième étape. Celui qui n'est pas en harmonie avec son corps et sa neshama, et que son corps il prend trop de place, alors il va bouffer sa femme, quoi. Ou par son égoïsme, ou par sa ta'ava, ou par... Hein? Mais s'il est en harmonie avec lui-même, il a un équilibre, donc il peut créer un équilibre avec sa femme. Et s'il est en équilibre avec sa femme, il peut être en équilibre peut-être avec sa famille, avec sa tribu, avec l'âme Israël, avec le monde, et avec Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, le nom d'Hachem, c'est le Shalom. Il représente l'harmonie parce qu'il a tout créé et tout doit revenir à lui. Il a tout créé et doit tout revenir à lui. Le fait de vivre en harmonie, c'est de prouver que ces éléments qui ont l'air opposés, si on dit qu'il y a le yin et le yang, le mauvais et le bon, la lumière et les ténèbres, on a l'impression qu'il y a deux forces. Et quand on arrive à maintenant dompter les ténèbres pour trouver leur place dans la lumière, et pour montrer que c'est deux faces d'une même pièce, alors tu as réussi à être meyahed et ta olam. Hachem Echad De. Yotzer Ameorot, Riva Ravim. Ça introduit le Echad. Golel Or, Mipne Rocher, Rocher, Mipne Or. Si la réalité de la femme et de l'homme, qui ne sont pas uniquement différentes, mais qui sont divergentes, je ne sais pas si vous avez ressenti la divergence à outrance. La chose, l'engin, hein? Si on arrive à être en harmonie avec la chose, ça prouve bien que Chava est une côte de Adam et Hachem, il a créé un homme. Il n'a pas créé deux hommes, il a créé un homme. Et la femme est une partie de l'homme. On arrive au Echad, qu'on arrive à l'harmonie. On arrive à prouver que Hachem, il a créé le monde, il a créé un homme. Adam, on arrive à un Adam quand il y a l'harmonie. Hein? Tu quel rapport? Jonathan. Je n'attends plus que lui. Hein? L'harmonie. Il a écrit un livre sur ça, le Rav Munk. Maintenant, j'ai commencé par le Zohar. Alors, ça y est, les mecs qui veulent partir en vrai, ils vont prendre la parole. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte? Vas-y, qu'est-ce que ça... Non, tu veux un bon point? Tu te jettes un vafflé? Hein? Mais je ne suis pas Zohar, je ne suis pas Zohar du tout. J'ai rien avec le Zohar. Je ne connais rien au Zohar. Je ne connais rien du Zohar, moi. J'ai juste que quand j'expliquais l'Agmara, j'ai eu qu'une idée ouais, qui se recoupe avec le Zohar et que j'ai pu expliquer, que j'ai pu comprendre. Je l'ai cité. Mais je ne suis pas du Zohar pour vous impressionner. C'est pour illustrer quelque chose que j'ai étudié et que je pense avoir compris. Mais du dire Zohar sans comprendre, je ne vais pas faire comme les autres. Je n'ai pas que ça à faire. C'est bon, on m'a rendu quitte de dire du Zohar sans rien comprendre. Il y en a plein qui font ça. Cite des mots, les trucs, les sphérotes, on ne sait pas à quoi ça parle. C'est quoi, on ne sait pas à quoi ça parle. Tant que tu n'arrives pas à connecter ces notions-là à ton avoda personnel, à ton vécu, à ton ressenti, ouais, c'est pas que ça ne sert à rien, Chas v'Shalom, c'est du limoud comme tout. Ouais. Mais moi, hein, ce n'est pas en priorité dans mon limoud. Pas que ça n'existe pas, Chas v'Shalom, ça existe, il y en a qui étudient ça, qui se délectent de cette incompréhension généralisée. Mais moi, j'aime bien étudier ces choses-là comme étant un summum de compréhension. Ça s'appelle
À Chorma, ouais. C'est la Chorma, par définition. Ce n'est pas cannabisation du CRL, ouais. Bigitsour, donc arrêtez avec votre Zohar, il n'y a que moi qui ai le droit de parler du Zohar ici. C'est fini. C'est moi le kabbaliste, ouais. Vous êtes mes sbires, ouais. À sourd parler du Zohar. Ça reste la même interdiction. C'est le Rav Monk, c'est le Rav Monk. Rav Monk, il a écrit qu'il s'appelle un livre qui s'appelle Vers l'harmonie. Tout tourne autour de ça. C'est Yichud, Yichud Hashem. Ouais. Ça a imprégné un peu du Balatania, ça a imprégné un petit peu de livres philosophiques juifs. C'est un livre très intéressant. Je n'ai pas relu et j'aurais dû relire parce qu'il faut se méfier de Rav Monk. Je pense que c'est un des derniers philosophes juifs, Rav Monk, qui était en plus kabbaliste. Il faut se méfier, des fois on croit que c'est un livre en français, c'est sympa et tout. Ce n'est pas sympa du tout, Rav Monk, c'est très amok. Là, j'ai relu son introduction sur Olam HaTefilot, ouais, le monde des prières. C'est magnifique. Il faut bien faut l'étudier comme une Mishnah, quoi. Chaque phrase, elle est. C'est un grand raham, quoi. Comment? Regarde-le, c'est un français, c'est majestueux. Non, faut pas le lire comme Kuntras. Ouais. Faut lire comme un livre de Limoud. Et tu sens que c'est vraiment un grand Talmid Chacham, parce que quand tu étudies un peu le sujet qui parle, il fait tout plein de clins d'œil, on voit qu'il est imprégné, quoi. Il est imprégné de Torah. Et le peu qu'il dit, c'est pas qu'il soit pas vivant, j'aurais parlé des heures avec lui, le peu qu'il dit dévoile sa connaissance. Ouais. Donc, il faut se méfier de ce qu'il dit tout le temps. Il faut aller, là, dans cette Souga, il a une prise de position, pas officielle tellement dans la Kabbalah, mais je suis en train d'approfondir parce qu'il faut se méfier. C'est un vrai Chacham. C'est un vrai Talmid Chacham. Son grand-père, déjà, il avait traduit de l'arabe le guide des égarés en français en 10 volumes. Pourquoi en 10 volumes? Parce qu'il y a toutes les remarques de traduction et de Iyoun. Donc, c'est une dynastie de Talmidei Chachamim, Talmidim du Rav Hirsch. Mais lui, non, lui, ce n'est pas un Talmid de Rav Hirsch, il n'est pas son père. Donc, lui, il a bénéficié de la philosophie allemande de Rav Hirsch et de la Kabbalah. Donc, il arrivait à vraiment une. C'est un kabbaliste, quoi. Il est vraiment baigné dans des notions de Kabbalah en permanence, quoi. Même quand tu vois dans son pirouche sur la Torah, il n'arrête pas, quoi, avec la Kabbalah. C'est trop mystique à mes yeux comme pirouche pour le peuple. Ouais. Mais il n'arrivait pas à se lâcher de ça, de la Kabbalah. Ouais. Donc il a les deux grands sabres. Revenons à notre sujet. Donc Vers l'harmonie, un très beau livre de Rav Monk. Tout doit amener à ça, d'arriver à un équilibre, d'arriver à un shalom, d'arriver à une unité, en soi-même, une unité avec le âme, une unité avec le monde, une unité avec Dieu, donc, être un reflet de l'unité divine, être une parcelle qui complète pour arriver à une unité. Donc, on comprend que le mariage, c'est très important, parce qu'on teste l'unité, on se plonge dans une histoire de divergence qui peut être générée. Il peut générer deux cas de figure. Ou bien le Chorban, si chacun reste campé avec sa réalité qu'il a reçue, c'est un vrai Chorban. C'est le feu, c'est ingérable. Ingérable. Ou soit c'est le summum du bonheur. Ou soit l'indifférence. Quoi. Il y en a qui ont de bonnes midotes, ils arrivent à vivre dans l'indifférence. Ils ne sont pas mariés, quoi. Ouais. Chacun, il a son coin. C'est pas mal. Ils supportent, ça va. Ils en ont marre de se disputer. Alors, ils ne parlent plus. Ils échangent plus. Ils communiquent plus. Ce n'est pas une réussite. Ouais. Mais celui qui veut quand même communiquer, qui veut quand même échanger, alors c'est ou le feu ou le bonheur. D'accord? Je ne sais pas si j'étais curieux du mariage, mais ce n'est pas grave. Je veux te le dire avant qu'après. T'inquiète, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de confiance. Celui qui vit sur des rêves finit par vivre un cauchemar. Donc, on reprend. Il faut savoir les réalités du monde avant de s'élancer dedans.
Moi, j'ai avant tout une responsabilité. C'est pas une source de bonheur, c'est source de satisfaction, le mariage, pas de bonheur, tel que le Montgomery l'entend. Et le couple américain, lui brun, elle blonde, qui court dans la prairie avec les enfants et le chien. Ouais, ça c'est the American life. Ouais, le bonheur de la vie américaine, c'est du bidon. Un tout pourcentage de divorce. Une fois, quelqu'un, il a trouvé une bouteille jetée à la mer avec un papier dedans. Mais cette histoire est réelle ou pas? Je suis en train de d'atterrir douloureusement là. Ça va ou pas? Ouais. Début de la semaine. Et le vendredi, t'es plus en forme. C'est dommage que je te vois pas. Ouais. Ah d'accord. Donc t'es fatigué jusqu'au dimanche. Avec Dan, tu joues. Mais lui, il vient aussi le matin. C'est pas sautère. Donc on revient. Après cette gentille fusillade. Donc la bouteille. Et un mec, il trouve la bouteille, il ouvre une bouteille et tout. Des fois, tu t'as une carte de cherche au trésor, c'est sympa et tout. Des fois, ça peut être facile de gagner un trésor qu'au loto. Et donc, et il ouvre, il voit, c'est un monsieur, il a jeté une lettre. Mon amour, je t'aimerai toujours, comme au premier jour, nanana. Et il fait une recherche, c'est qui a envoyé cette lettre? Je ne sais plus ce qu'il y avait comme information pour retrouver. Il a retrouvé la personne, etc. Ah, vous savez, j'ai trouvé cette lettre, etc. Et bien, il dit, ah, c'est bon, ça fait 10 ans que j'ai divorcé déjà. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils se marient, ils sont sûrs qu'ils vont vivre que ça ne va pas être comme les autres. C'est que là, nous, c'est différent, nous, on s'aime. On peut vivre dans le rêve, mais ça finit en cauchemar. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. Parce que comme tout couple, il y aura des crises. Non, mais le mec, il ne pense pas qu'il y aura des crises, forcément, des fois, quand il se marie, le mec. Que ça va être comme pendant sa période de fiançailles où tout c'était beau et tout c'était joli. Nous c'est différent, nous vraiment on s'aime. C'est-à-dire c'est une combinaison compliquée, l'homme et la femme. Il faut le savoir, mais par un travail sur soi, pas sur l'autre, par un travail sur soi qui passe inévitablement par une avodat Hashem, pas uniquement une avodat Amidot, parce qu'il y a un moment où il y a un moment où on peut faire des efforts sur soi, mais l'homme, il a besoin de plaisir. Et on n'a pas les mêmes. Donc, ou bien je renonce à mes plaisirs, ou bien je crée d'autres plaisirs. C'est comme j'ai parlé avec l'infirmier de mon père, Hassan, d'origine bédouin, qui faisait 114 kilos et qui a fait un régime avec des piqûres, je ne sais pas, de diabétique, qui est descendu à 84. Ouais. Et hein, c'est dangereux ça? Bon, un bédouin de moi. Et donc, j'explique ce que je mange, etc. Tout ça pour lui expliquer comment on fait un vrai régime sans piqûre. Il dit, mais ce n'est pas une vie pour un bédouin. C'est-à-dire, lui, il fait son régime pour après se regaver et refaire un régime. Ouais, c'est-à-dire. Ah, ça, c'est-à-dire, lui, il m'a dit, même quand je mange des petits pois et des pâtes, je prends quand même des pitotes. Pas une, pas deux, pas trois. Faites tout le calcul. Ouais. Sa belle-mère, elle fait elle-même les pitotes. Les grosses lèvres. Et donc, pour lui, la vie, c'est pour jouir quelque part. On travaille, on truc, mais il y a un moment, il faut kiffer. Un homme a besoin de kiffer. Tu peux faire des efforts avec la femme et tout pour ne pas avoir de baston, mais à un moment, tu as besoin de kiffer. Donc, si ton kiff, il est corporel ou matériel, Hachem, il a fait qu'on n'a pas les mêmes. Donc, il y a un moment où on va pas être en harmonie à un moment. Si on ne développe pas d'autres kiffs, ce qu'on va appeler des plaisirs spirituels, sans arrêt, on se retient, on se lâche, on se retient, on se lâche. C'est comme le régime, hein? On se retient et puis on se lâche. On se retient et on se lâche. Mais on ne grandit pas, on est sans arrêt à revenir en arrière. On sait qu'on ne peut pas faire que kiffer, donc on travaille toute l'année, puis après on s'éclate. Donc le rêve du temps, on est dans le rêve, mais le quotidien ne nous plaît pas. Et une petite semaine ou 2 semaines dans l'année, alors on est. La première semaine, on est très content. Deuxième semaine, on sait déjà qu'elle va bientôt terminer, donc on est déjà écœuré. Ouais. Donc c'est pas. Elle est courte la vie, on peut la résumer en un an, cette vie. Si le mec il vit une semaine par an. Et qu'il a vécu 52 ans, il a vécu un an.
comprends. Mais si tu arrives à comprendre que le but de la vie, ouais, c'est pas de se retenir pour s'éclater, c'est d'arriver à un shalom, à une harmonie. Donc c'est le bonheur en permanence. Parce que même dans ton matériel qui est au service du spirituel, tu es déjà dans le spirituel. Et ton spirituel, il te permet d'arriver à encore mieux maîtriser ton corporel, donc tu es encore satisfait dans le corporel. Donc tu es en permanence. Alors pareil dans la vie de couple. Si maintenant, quand tu sacrifies tes plaisirs pour donner au plaisir de ta femme ou à ses besoins, etc., et que tu vois que c'est une partie de toi-même, la femme, donc déjà tu es réjoui de la faire plaisir. C'est comme si tu t'es fait toi-même un propre kiff. C'est comme l'histoire du mec qui amène sa femme chez le médecin et dit « J'ai mal à son bras. On a mal au poing. Nous avons mal. Nous Ce avons que mal tu au veux, donne-moi le. Dis, ce que tu retiens, David, pour moi, c'est Kadosh. poing. Non, Ce que tu veux, ce que tu veux. Je vais faire comme ça, parce qu'elle n'existe pas, elle. C'est une côte de l'homme. Peut pas la mettre. Ça, c'est déjà une traduction moderne de la chose qu'ayons, on est au même niveau. Non, la femme est Zerg Enegdo, c'est une partie de l'homme. On a une responsabilité sur elle. On doit lui trouver sa place en nous. C'est pas qu'on doit être à égalité. Chasvé Shalom, que moi j'ai une alliance, aussi elle a une alliance. Chasvé Shalom. Je l'ai acquis, c'est une acquisition, pour lui donner une place en nous. Et pour lui trouver une place en nous, il faut faire beaucoup de vide en nous. Beaucoup de tsimtsum. Léon, il a une alliance. Mon David, essaie d'être dans le Non. sujet. Si tu es venu pour les blagues, tu n'es pas le bienvenu. Ouais. Non. Écoute, écoute, essaie de rentrer dans le. Je donne des exemples pour vous faire comprendre le message. Mais si tu t'arrêtes aux exemples, tu risques de. Alors, tu peux t'arrêter aux exemples, mais ne nous pollue pas. On revient. Donc, faut la manière qu'Hachem, pour que l'homme existe, il a fait une place en lui, entre guillemets, c'est le Tzimtzoum, c'est contracté. Nous, on doit se contracter pour donner une place à la femme. Et pas l'inverse. C'est qu'en nous, elle trouvera son bonheur. C'est pas une égalité. C'est vrai qu'il faut être. Mais sa mère, le Khatan, il y a marqué ici dans la Gemara. Tout le travail, il revient au Khatan. Le Ikar à Avoda, ça vient du Khatan. Mais non, mais Samcho, pas non, mais Samacham. Kol Khatan et Kol Kala. La Simcha du Khatan a une répercussion sur la Kala. Ok, une harmonie, c'est le travail du Khatan avant tout. Et l'homme. C'est l'homme qui donne l'exemple. Donc, la joie du Khatan Vekala, ouais, c'est donc cette harmonie à Yeru Shalaim, le lieu de crainte, mais aussi de shalom. Ouais. Donc, dans ce lieu de shalom qui s'appelle Yeru Shalaim, eh bien, le summum. De là où la Shrina aura réintégré, comment dirais-je, où Hachem aura pu donc faire refléter sa Shrina dans un endroit particulier, c'est donc à Yerushalayim. Et donc c'est un lieu d'harmonie. Ouais, ce lieu d'harmonie sera particulièrement représenté. Ce lieu d'harmonie sera particulièrement représenté par la Simcha, par le Sasson Bessimcha. Quand il y a Sasson Vesimcha, c'est une joie pleine. Pas une joie de délire. On a fait un délire avec les potes. Qu'est-ce qu'on s'est éclaté la tronche? Non, c'est pas ça. C'est pas ça la Simcha. Ça s'appelle Simchat Olelout. Simcha, ouais, qu'on parle ici Sasson Vesimcha, ouais. Kol Khatan Vekol Kala, ouais. C'est ici une voix. Une voix. Tout ce qui est col, tout ce qui est la notion de col, ouais, col, c'est quelque chose qui représente l'expression la plus spirituelle du corps. Le col. Le col, je vous ai expliqué, c'est des ondes. Ouais. Donc, on vient faire bouger des cordes vocales. Donc, celui qui n'a pas de cordes vocales, il ne peut pas parler. Donc, il a besoin d'une réalité corporelle pour parler. La pensée, c'est complètement spirituel. La parole, c'est une harmonie, est une harmonie entre le spirituel et le matériel. C'est le
matériel au service du spirituel. C'est-à-dire, j'utilise mes cordes vocales pour exprimer une idée. Ça, c'est un col. Vous me suivez ou pas? C'est pour ça qu'il y a une grande discussion au niveau de la halakha. Est-ce que pour accomplir la mitzvah de le Talmud Torah, est-ce qu'il faut être motzi bepé ou pas? Et par rapport à Birkat HaTorah, est-ce qu'on peut penser avant de faire Birkat HaTorah, parler, on n'a pas le droit de faire des divrets Torah. Penser, alors c'est une marloquette, il y en a qui disent que oui, penser, ce n'est pas grave, ce n'est pas un maassé. Il y en a qui ont voulu dire de ça, le Shulchan Arav a voulu dire de ça, qu'on n'est pas Mekhaim Talmud Torah si c'est Bémarchava vraiment, Bédibour. Pourquoi? Parce que c'est quelque part sanctifier notre corps. Donc pour sanctifier notre corps, il faut assujettir notre corps à notre pensée. C'est donc il faut sanctifier le corps en utilisant les cordes vocales. Ouais, c'est l'effort d'utiliser les cordes vocales pour matérialiser dans ce monde. Ça devient audible à ce monde. Il y a tout un sujet autour de ça que je ne vais pas vous traiter maintenant. Mais le col, c'est quelque part la symbiose, comme il a dit Aurel, entre le corps et l'esprit. C'est la matérialisation de l'esprit de manière palpable, plus que la pensée, que Guillaume Libby. Donc, quand on parle de Kol Sasson, de Kol Simcha, ça peut être Meramez, à un Sasson et Simcha qui est comparable à un Kol, qui est l'expression corporelle, ouais, d'une joie spirituelle. Reprends ce que je viens de dire, Aurel. Bah, dis-le en ivrite ou en hébreu ou en latin ou en gitan. C'est quoi le col? Qu'est-ce que ça représente, le col? Il y a le col porteur, ouais. Tu ne sens pas très, très avec nous, là. Léon, tu as compris, c'est quoi le col? Le col, c'est c'est quoi la différence de penser de la Torah et de parler de la Torah, Aurel? C'est quoi la différence de penser de la Torah et de parler de la Torah? Non, parler, c'est utiliser mes cordes vocales, qui sont une partie de mon corps, ouais, pour rendre ma pensée spirituelle plus matérielle. D'accord que la parole est plus matérielle que la pensée? Ça s'entend, ça. Quand maintenant je parle et que je suis à côté d'une surface d'eau, ça fait des ondes, ça fait des vagues. Je peux péter un tympan à quelqu'un en criant. Ouais. C'est l'énergie, là, la voix. Ouais. Avec ma pensée, non. Enfin, je ne sais pas. J'essaye. Le col vient matérialiser la pensée. Comment? Le col vient matérialiser la pensée. Voilà. C'est déjà, ça représente plus déjà, hein, ouais, une harmonie entre le spirituel et le matériel. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Le spirituel, c'est la pensée. Le matériel, c'est le corps. Le seul acte, l'acte le plus proche du spirituel, c'est le col. C'est un acte spirituel. Alors, c'est vrai que tout notre corps, il doit être au service de Hachem. Alors, on met les tefilines. Et on fait la Brit Mila, et on court pour étudier la mitzvah. Mais ce qui est le plus, va dire, spirituel, ouais, c'est la Torah. Et quand je parle de la Torah, j'ai sanctifié ma matérialité, ce sont mes cordes vocales. C'est là que le plus spirituel dans le matériel. C'est bon ou pas? Il y a plus de spiritualité dans la voix que dans un acte. Ouais, si tu veux, mais tu peux le comprendre. Et donc, si c'est ça la notion du col, si on accepte cette idée-là, que c'est ça la notion du col, on peut comprendre le col Sasson, le col Simcha, le col Khatan, le col Kala, et col du Matan Torah. Ça colle bien en tout cas. Pourquoi? Parce que
ça existe d'avoir sasson besimcha sans qu'il colle. Déjà, si sasson besimcha sans colle, ça peut être quelque chose de pnimi. Ouais, ce n'est pas quelque chose d'intérieur, qui n'est pas exprimé déjà. Ça existe. Il y a une différence entre sasson besimcha. Ce n'est pas le sujet. Tu es bien d'accord que ce n'est pas le sujet. Tu es en train de faire un hyperlien qui te fait perdre la page qu'on est en train de développer. Donc, il y a une différence entre ratan et kala. Donc, pour l'instant, j'essaie justement de vous aider à comprendre, donc de synthétiser, pas rentrer dans le détail, Nathan. Donc, la synthèse, pour l'instant, là, sur le terme, le mot qui revient dans la Gemara le plus, c'est pas sasson, c'est pas semcha, c'est kol. Je m'intéresse au mot prioritaire, qui est kol. Ouais. Donc, kol, ça représente donc quelque chose qui n'est pas pnimi, mais qui est exprimé. Ouais. C'est une expression corporelle de joie spirituelle. D'accord ? Donc, le kol chatan ve kol kala, ouais. C'est qu'on vient fêter, non pas en ramenant du whisky et un guitariste électrique qui joue avec les dents. Ouais. Ce n'est pas ça, kol chatan ve kol kala. C'est la joie de l'union. La joie que la femme, elle était retrouvée par celui qui avait perdu une partie de lui-même. C'est cette histoire, ouais. Quand on trouve sa femme, si on a retrouvé, il y avait une Achevataveda, on a retrouvé un morceau de nous-mêmes qu'on avait perdu. Quand même qu'il avait une valise de 2 millions d'euros qu'il a perdu, il la retrouve, il est content. Mais quand sa femme, elle s'appelle Lise, et il l'a perdue, elle va où? Elle va Lise. Où elle va, Lise? Ouais. Alors, il a retrouvé Lise. C'est un sujet d'actualité, les valises qu'on a perdues. Il ne faut pas mettre dans les soutes les 2 millions d'euros avec le fromage. D'accord? Donc, il y a une joie d'union corporelle. Il y a une joie d'union corporelle dans un projet spirituel. D'accord? Alors, on a expliqué, on a rapporté avec Mardan Sota que s'il y a une union corporelle sans le spirituel, alors c'est du Hesh, parce que Ishav et Ish, il y a le Aleph et le Shin en commun. Et quand maintenant, il y a entre eux le Yud et le Ké, ouais, on a dit que chez l'homme, le Yud, il est au milieu du Hesh. Chez la femme, elle est à la fin. Celui qui est au centre de. C'est lui qui est au centre du travail. Lui, c'est qu'au centre. Elle profite de cette union, la femme. C'est à l'homme de faire tout le travail. Si c'est un homme qui incarne la Torah, un homme qui incarne les Midot, ouais. Alors même si sa femme elle n'est pas parfaite, elle est en admiration de son mari, et elle réintègre, elle rentre dans ça. Elle rentre dans ça. J'ai l'impression que c'est un peu comme avec un enfant où il faut donner des temps. Exactement, la femme est un enfant. Il y a marqué la Gemara, Biti. Il est marqué, sa femme, il l'appelait Biti. Alors, elle dit Biti, il a Betty. Ouais. Mais Biti, la femme, il l'appelait Biti. Ma fille. C'est un enfant, la femme, bien sûr. Parce qu'à ses derniers jours, elle restera un enfant, la femme. Et un enfant, ouais, ou bien c'est un rebelle, ou bien admiratif avec ses parents. Il n'y a pas tellement d'équilibre, l'enfant. Vous êtes d'accord, les enfants, c'est ou rebelle ou admiratif? Où il a besoin d'être complètement sous les ailes protectrices de ses géniteurs, ou il s'oppose parce qu'il veut faire sa vie. Mais il n'est pas neutre. Alors la femme, c'est pareil. Et comme elle a moins d'esprit infantile, elle peut arriver aussi à la décision commune de séparation en vie commune. Chacun de son côté, chacun sa vie. On n'a plus tellement de points communs. On se supporte. On n'a pas les nerfs de divorcer. On n'a pas les nerfs de si, les enfants, les gens, les trucs. On vit en séparation. Mais ce n'est pas un mariage, quoi. Pas un mariage. C'est pas sur ce qu'on dit kol chatan ve kol simcha. Kol chatan ve kol kala, kol sasson ve kol simcha. C'est pas sur ça qu'on dit. Il n'y a pas de colle ici. Ça ne colle pas entre eux. Il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de colle. Il n'y a pas d'épanouissement par le couple. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça.
ce qu'on fait. L'enfant, il se bat parce qu'il a des ambitions, l'enfant. Donc, où il se range sous ses parents, où il se rebelle. Mais à un certain âge, il n'a plus d'ambition. On peut accepter d'arrêter de vivre, d'arrêter de rechercher, d'être idéaliste. Au début, quand on se marie, on veut tous arriver à cette harmonie. Et puis, à un moment, on se fait une raison. Donc, ça s'appelle une séparation en vie commune. Une séparation commune. On ne parle pas de ça ici. Ils ne disputent pas, hein, ben, ils ne se parlent pas. Donc quand on parle de kol, on parle de ça. Kol, c'est quelque chose de rouhani, mais qui est un épanouissement corporel dans le rouhani. Une réalisation spirituelle par le corps. C'est ça le kol. Une réalisation spirituelle par l'intermédiaire du corps. Cette union dans le couple, le corps, ouais, il a sa place. Attention, il y a le devoir conjugal. Mais est-ce que maintenant, ce devoir conjugal, c'est pour maintenant rassasier des besoins bestiaux, ou c'est pour consacrer, ouais, pour corroborer une relation intense, une attirance qui n'est pas que corporelle. C'est mon âme sœur. Il a écrit dans les bouquins de psychologie que les besoins de l'homme et de la femme sont différents. Les besoins, c'est plus l'homme, c'est plus corporel. La femme, c'est justement, elle recherche une union. Donc souvent, il y a un décalage. La femme qui n'a vu son mari que comme un loup ou un ours ou un chien, ça dépend. Elle ne recherche pas trop le rapport conjugal. Alors que lui, ça ne le gêne pas. Donc, pour que vraiment cette union corporelle se fasse correctement, ça se fait uniquement par le dibour, il y a marqué. Il faut d'abord lui parler. Une union spirituelle. Ouais. Fin de parenthèse. En tout cas, donc, kol khatan ve kol kala. Il faut expliquer maintenant Toda. C'est quoi le rapport Toda? Alors, la particularité du Korban Toda, est très sympa, ce Korban Toda. Mais c'est Korban Toda? T'as déjà étudié le Korban Toda, Dan? Dans les Korbanot, qu'est-ce qu'il a comme bizarrerie, le Korban Toda? Il a une grande bizarrerie, le Korban Toda. Il y a un truc qu'il n'y a pratiquement nulle part ailleurs dans le Korban Toda. Oui, mais il y a pratiquement... Dans quel cas on amène le Korban Toda, Nathan? Est-ce que vous avez un truc sympa? C'est quoi le pasouk? Ah, excuse-moi. Ben, prends-toi une mara. Rien. Je suis déjà si jeune. Non, ça y est, plein de corbanes volontaires. C'est quoi la bizarrerie du corban Toda? Il n'y en a aucun autre. Il y a une bizarrerie. En termes de corban yachid, c'est le seul qui a cette bizarrerie. Corban Sibour, il y en a un autre qui a cette bizarrerie. Il y a un corban Sibour qui a cette bizarrerie. Il y a un corban yachid qui a cette bizarrerie. Ils n'ont que Nedava. Et... Toda, c'est particulier. C'est le mec, il a guéri, il est sorti de prison. Ces trucs-là, ouais. Les trucs du Gomel, c'est Korban Toda. Ouais. Il a une bizarrerie, le Korban Toda. Combien on apporte de Menachot là-bas, Nathan? 40. 10 différentes. 4 fois 10 différentes. Il y a 10 formes de Menachot qui sont Matzah. Un qui est baloul, béchemen, un qui est poil, un qui est tigounamok, ouais. Trois types de cadeaux différents, mais azim, et 10 pains de chametz. C'est une bizarrerie. Il n'y a pas de chametz. Quoi?
Ah, tu as fait te planter là. Chete alechem. On dit chete ou chete? Chete. Chete alechem. Il y a une bizarrerie dans Corban Tzibour, il y a une bizarrerie dans Corban Toda. Il y en a qui disent que justement, le chete alechem, c'est un Toda Tzibouri. On l'a échappé belle. On a fini la période de moisson, on l'a échappé belle. Il y en a qui disent. Je ne suis pas sûr que ce soit le sens premier, mais on va peut-être porter un nouveau regard sur la chose, peut-être, pour notre explication ici présent ce matin. Mais Nathan, est-ce que ma voix t'endort ? Hein ? Non, parce qu'il ne dit pas du Zohar. J'ai l'impression d'être en Afrique du Sud. Afrique. Ségrégation. C'est toi qui as pris le rôle du noir. Hein. C'est toi qui as pris le rôle du noir. Attends. Excuse-moi. Non, je comprends que. Si j'ai quelque chose à dire, je fais passer par le. Tout à fait. Ou Léon. Qui que tu veux. Non, j'ai déjà dit, David, c'est une bonne question, etc. Je suis franc. Donc, tu as compris David ou pas? Oui. Ou tu l'as? N'importe quoi. Je vais confisquer le téléphone, n'importe quoi. Non, n'imagine pas qu'il va dire ce que je vais te dire maintenant. Non, pour situer où on était. Mais, Torah Box, il est là pour donner une Torah au grand nombre. Ici, on essaie pour entrer dans le détail. Alors, de plus en plus, Torah Box rentre dans le détail, de plus en plus. Ouais. De plus en plus. Et de moins en moins. Et il s'intéresse de plus en plus au vrai limud Torah. Au début, pas du tout. Ouais. C'était vraiment des conférences, des trucs. De plus en plus, c'est dans le texte, c'est des chabourot, c'est du youn, etc. Et il devient de plus en plus adapté à tous. Bon, Hashem. Mais ce n'est pas leur mission essentielle. C'est de ramener. C'est pour ça qu'ils ont fait des sketchs, des trucs pour ramener les gens de loin. Les sketchs qu'ils ont fait, c'est ça qui a fait le plus grand succès de Torah Box. Ils le disent eux-mêmes. Ils ont eu l'intelligence d'amener les gens, ils aiment rire et de faire leur sketch, leur truc, et après dire, ah, ils vont voir ce qui se passe sur le site. Et ils ont commencé à étudier, bon, Hachem, une grande atzlara. Hachem Yébarech Otam. Revenons à notre sujet. Donc, c'est quoi le Hametz? Le Hametz, a priori, c'est un élément négatif, puisque au début de Vaïkra, on nous dit, attention, ne pas monter sur le misbère du Hametz, attention. C'est que de la matzah, c'est que de la matzah. C'est que de la matzah. Qu'est-ce que représente le Hametz? Qu'est-ce que représente le Matzah? Et là, on apporte les deux, et Matzah et Hametz. 30 pains de Matzah, gâteaux, on va dire, ouais, et 30 gâteaux et 10 gâteaux de Hametz. Il y a quand même du Hametz, c'est quoi cette histoire? Pourquoi c'est le seul Korban Yachid on apporte du Hametz? Makara! Alors, il y a un sforno très intéressant. Peut-être je vous le fais dans les mots, ce sforno. J'ai peur de le déformer. Oh là là. Donc on a. Ah, j'ai pas trouvé, mince. Ah voilà. Voilà. Rashi, Vaikra, mince. Il est où ce forno, mince? Le forno? Non, pas pour le Toda. Zaraba. Ouais, ça peut aider, t'as raison, Razak. Tout à fait raison. Zain Yud Gimel, non, c'est quoi? Zain Yud Gimel, Aïkra, Zain Yud Gimel. Alors, le sforno, s'il est dans zigzag, on va voir s'il est dans zig. Ah, il n'y a pas de sforno, ce passe où, je pense. Chapitre.
cependant, et le cependant. Bon, je vais le dire de mémoire alors. Dommage, je voulais voir dans les mots parce que j'aime pas dire de mémoire. Cependant. Ouais, ça n'a pas l'air. Hein. Ah voilà, je l'ai trouvé. C'est pas dans Zig, c'est dans Zia. Zid, c'est deux passouks avant. Il y a une différence entre les korbanot et le korban toda. Pourquoi? Parce que dans le korban toda, il nous dit Yehimaem la tête betocho min chametz. Lama, il faut donner du Khametz. Sorel, t'as compris ce que je suis en train de travailler là ou t'as perdu le fil? Parce que je ne suis pas clair. Arbein Menachot. Menachot. Mincha, Menachot. Une mincha, des Menachot, des offrandes de blé. Il y en a 10 qui sont de Khametz. Qui omnam si bat ta sakana, cher Alea Oda, ou Seor, chez Baïssa. Arrête, le Korban Toda, c'est qu'on est sorti d'une sakana. Là, j'ai mon ami là, qui a fait ce. Samedi matin à Seudat Odaya, on ne voit même pas de cicatrice, rien. Et donc, moi, je n'ai pas pris là-bas ce Shabbat, dommage, mais ils m'ont raconté tout ça. Donc, il a effectivement parlé que l'arabe, curieusement, ne l'a pas achevé, que l'arabe, curieusement, descendant du pont, il a prévenu quelqu'un de dire qu'il y avait quelqu'un de blessé. L'arabe lui-même. Ouais. Donc, Nissim al-Nissim. Ouais. Et tu le vois, il est normal, le mec. Je vois même pas de cicatrice, je comprends rien. C'est un gag. Ouais, je comprends rien. Alors, donc il a eu un S. Alors, bon, moi, je connais, c'est un Tamid Chacham, c'est un Tzadik, etc. Il y a la question qu'on peut se poser, mais pourquoi il a eu des coups de hache aussi? Il a dû faire des Averotes. Il y a eu un S, d'accord, mais Hachem l'a. Ah oui, il n'y a pas ça sans Averotes, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Hein. On ne peut pas. Eni Sourin Belochet, ça ne peut pas. Hein. N, ça marche dans Shabbat d'Afnoun. N. Maintenant, il nous arrive des histoires pareilles. Il faut se remettre en question. Hein, pas shoot. Bah non, moi, je suis un tzadik gadol et puis je suis une kapara pour le dor. Bon, kapara. Kapara alecha. Ah, hey. En général, ouais. Avant que tu te prennes pour l'acrobate, mais en général, quand maintenant il nous arrive des événements comme ça, alors on se remet en question. On dit que. Il y avait quelque chose qui méritait la mort et Hacham, il a été miséricordieux quelque part. Ouais. Donc, en général, c'est une grande période quand quelqu'un, par exemple, guérit d'une maladie mortelle. Alors, il dit, bon, je l'ai échappé belle, mais je vais essayer de voir ce qui s'est passé, pourquoi j'ai effleuré la mort. J'aurais pu ne pas tomber malade. J'aurais pu ne pas me prendre des coups de hache dans la nuque. Makara! Donc, il dit, celui qui a été proche de la mort, c'est parce qu'il a eu du Yetzerara. Il a vécu avec son Yetzerara. C'est Or chez Baïssa, le Hametz qui représente le Yetzerara. Attends, laisse finir le truc. Mikol Makom, quoi, il n'a pas d'Yetzerara, je crois. C'est pas dans délire. Il a pas... J'étais pas là-bas, je t'ai dit. Ça, je peux dire ce que je veux. Mikol Makom, c'est un exemple. Arrêtez les mecs, on dirait des femmes. Il n'y a que les histoires qui vous intéressent. Je suis en train maintenant d'illustrer un truc. Ouais. Je m'en fous de l'histoire de ce mec. Je m'en fous complètement. Là, je suis en train de vous expliquer une mara, on s'en fout. Je vous explique un truc éternel et vous bloquez sur une histoire. Il y en a des millions des juifs comme ça qui ont échappé belle et qui ont apporté un Korban Toda. Moi, j'illustre ce Korban Toda. Quand quelqu'un lui arrive un événement pareil et un autre, il n'a rien eu. C'est qu'il a un Yetzerara à se reprocher, il a eu un Yetzerara en lui, et Hachem l'a sauvé, donc il y a eu des Yetzerara Tov. S'il n'y avait pas Yetzerara Tov, il serait mort. Il a du Yetzerara, du Yetzerara Tov. Ce qu'on appelle un Benoni, il a du Yetzerara, Yetzerara Tov. Et donc le Chametz représente le Yetzerara, et la Matzah représente le Yetzerara Tov, c'est ça qu'on doit retenir. Sortez de l'histoire, les mecs. Des années que je ne donne plus des cours pour femmes. Mikol Makom, Mina Matzot, Rabot Alav. Il y a 30 matzot et 10 chametz. Il y a plus de Yetzeratov que Yetzerara. Ou Beribot, Alechem, Itparsem, Enes, Leochlim, Rabbi. Pourquoi on amène tellement de pain?
al pipchat. Pourquoi? Il y a tellement de ménachot. C'est toi, tu ne peux pas tout manger tout seul. Alors le bédouin, il prend 4 pitotes. Lui, il peut tout manger le bédouin. Mais nous, on ne peut pas manger tellement de pain. Nous. Sans la piqûre. On ne peut pas manger tellement de pain, nous. Alors ça va, on devra inviter plein de gens pour manger les ménachot. Parce qu'il faut manger, il ne faut pas que ce soit de motard. Donc, dit, c'est quoi ce pain et tout? Il est sympa et tout. Oh, il y a du ramen, c'est bon ça. Ah, on n'a plus, dommage. Mais j'ai essayé quand même. Parce qu'il n'y a pas tellement, il n'y a que 10 pains. Alors, ça a ramené plein de gens. C'est Seuda Todaya, les mecs. Vous entendez ou pas, les belles? Le Sforno. Seuda Todaya. Il dit qu'il on a un psibot parce qu'il n'y a jamais un corban où on apporte tellement de ménachot. Pourquoi tellement de... Comme ça, c'est une Seuda Todaya. Elle est belle ou pas? C'est un Sforno important. N'oublions pas, ce n'est pas le Sforno Zig. Ce n'est pas le Sforno Zag. C'est le Sforno Zia. C'est ça, deux pasouk avant le Zig. Ou Berabot Alechem, it parsem anes le ochlim rabim. T'entends, Dan, ou pas? Vekulam nechalim bezman kodche kodashim shem le yom velaila. Aval kshem shlemim pshutim shelo le toda, zmanam le shne amim velaila. Vemayot kulam kodashim kalim, neskotuma. Bon, après, continuez à faire ces différences entre ce korban et les autres. En tout cas, reprenons le sujet. Alors, il dit la particularité du Korban Toda, c'est qu'on vient expliquer qu'il y a eu du Yetzer Hara. Ouais. Il y a eu du Yetzer Hara. Il y a eu plus de Yetzer Hatov. Et quand la personne, elle aime le Toda, il réfléchit que ses mauvais comportements, c'est Averot, son Yetzer Hara, l'a plongé dans la détresse, mais que ses mitzvot l'ont sauvé. Donc, quelque part, tu sanctifies le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, ouais, le Yetzer Hara de la personne, elle est apportée en Korban. C'est-à-dire que maintenant, son Yetzer Hara lui a permis de prendre conscience, son Yetzer Hara, son attirance à son corps et à sa réalité corporelle, ouais, l'a plongé dans une situation, le Nes, qui l'a aidé à s'élever quelque part. Son Yetzer Hara l'a permis de plonger, de s'élever, ça a permis de s'élever quelque part. Le Korban Teda, c'est une élévation, ouais, où on donne une place au Yetzer Hara. C'est le seul Korban Yachid où on donne une place au Yetzer Hara. Un Yetzer Hara qui m'a permis de prendre conscience de la présence divine, de prendre conscience de mon éloignement que je dois réparer. C'est un Yetzer Hara positif parce qu'il m'a pris conscience de mon éloignement. Mais à Averot, m'ont éloigné d'Hachem, mais m'ont permis après d'avancer encore beaucoup plus vite. Quelqu'un qui a eu un S comme ça, il avance beaucoup plus vite. Parce qu'il voit la bonté divine, il voit la miséricorde divine. Ce qu'on appelle que celui qui fait une tshuva lishma, be'ava, asdonot, même son issour qu'il a transgressé, be'mezid, il devient un sruyot. On peut être offert le Yetzer Hara en tov. On va en faire une mincha du Yetzer Hara. Une offrande à Dieu. On offre notre Yetzer Hara. Donc on reconnaît que le Yetzer Hara, il est nécessaire quelque part. Toute la vie d'un homme, elle est comme ça. Elle est constituée, la vie d'un homme, de chute, ouais, et d'éveil. Hence, ouais, Sheva, Tzadik, Ipol, Vekam, comment c'est écrit comme ça? Ipol, Sheva, Ipol, Tzadik, Vekam. Sheva, Ipol, Tzadik. Même le Tzadik, il tombe. Il n'y a personne qui est comme ça. Il est comme ça, c'est vrai. Quand on s'éloigne, l'effort de revenir. Si la vie est un long fleuve tranquille, c'est facile. Hein, tu as décidé, tu as fait le choix, c'est tranquille. Tu te rends, tu te relèves. Le plus dur, c'est les changements d'humeur, les épreuves. Alors, tu dois prouver ta fidélité à Dieu quand ça va mal, quand tu n'es pas content de toi. En général, Avera, Goret, Avera. Donc, commence à faire des Averot. Normalement, tu devrais tomber tout en bas. J'arrive plus à étudier, j'arrive plus à prier, nanana. Donc, tu t'intéresses plus aux ch'touyot, tu t'intéresses plus aux bêtises, tu t'intéresses plus au plaisir parce que tu n'as plus de plaisir dans ton limoud. Ou
comment, se dit, comment il appelle ça, Ravolbeu? Il y a un chat. T'as-tu un peu Ravolbeu? Ouais. Il dit, il y a les moments de. Dans la vie, il y a des moments comme ça de Alia, des moments de Yerida. La question, c'est comment on gère la Yerida. Le Icar, Avodat Adam, l'essentiel Avodat Adam, c'est de gérer les moments de descente. Quand on est au milieu d'un Kippour et qu'on est dans la Etlavout et tout bon, il faut vraiment être très loin d'Hachem pour ne pas profiter de cet événement-là. Mais quand le mec, il a des dettes, et que le mec, et que sa femme lui fait la tronche, et que ses enfants, ils lui font la guerre, et que même son chien, quand il caresse, il lui mord la main. Vraiment la totale, quoi. Et que quand il étudie, il ne comprend rien. Et sa prière, ça sent les pieds. Ouais. Alors, tout ça. Que malgré tout, il dit non, je vais y aller, je vais me battre. C'est ça, Icar Avodat Adam. C'est Ipol Vekam. Donc, ce Yetzer Hara, il est nécessaire. Parce qu'il maintenant, il vient nous plonger dans une descente. Et quand maintenant, on la consacre à Dieu, cette descente, pour relever, pour se relever. Alors, on a prouvé notre fidélité. Quand est-ce qu'une femme a prouvé sa fidélité à son mari? Quand le mari était très antipathique et déprimé pendant une longue période et qu'il y avait un gentil monsieur qui s'occupait d'elle, que malgré tout, elle est restée attachée à son mari. Quand le mari, il est gentil, il fait tout pour sa femme, etc., elle n'a pas prouvé qu'elle est fidèle, elle est intéressée. Vous comprenez ou pas? Notre fidélité à Dieu se prouve quand on est dans la descente. Donc, il faut apporter en corban notre Yetzer Hara. C'est lui qui prouve toute notre... La même manière que notre corps nous éloigne de Dieu, qu'est-ce qui prouve notre fidélité? C'est qu'on arrive à élever notre corps. Quand notre Neshama est naturellement attiré vers Dieu, notre Neshama. Mais quand notre corps, on arrive à le bouger et le consacrer à Dieu, c'est là où vraiment on a prouvé notre fidélité. Quand est-ce qu'on prouve notre amour envers notre femme? C'est quand maintenant on arrive à taire, à faire taire nos besoins corporels bestiaux pour s'intéresser à ses besoins à elle. Là, on a prouvé notre attache à elle et pas qu'on l'utilise. Quoi? T'adores toujours partir en vrille. Moi, je suis pour l'instant consacré sur un sujet. Avant de comparer des corbanotes qui n'est pas simple, j'essaie de parler de la spécificité du corban toda qui est évoquée dans le pasouk. Et je suis en train de faire un travail de vous montrer pourquoi dans le pasouk de Khatan Vekala, de Sasson Vesimpra, on parle du toda. Quel rapport? Parce que dans le mariage, le Yetzer Hara, le gouffre, ouais, on donne. C'est facile d'être moine. C'est facile d'être moine. Ou pas facile. Mais il y a des moments, pour le moment, il y a des moments où le moine, c'est facile pour lui quand il n'a pas trop de besoins bestiaux. Après, c'est compliqué. Il va faire un tunnel vers le couvent. Mais c'est beaucoup de boulot. Mais le moine, bon, c'est bon, il est dans sa méditation, dans sa prière, dans son truc. Mais quand maintenant, tu se reviens de ton limou, de ton truc, et tu vas être avec ta femme et tout, terre à terre, tu vas écouter ses trucs, nanana, et goûter de sa nourriture, et donner à son corps et à ton corps une place. C'est compliqué, quoi. Tu es dans la descente. Tu donnes une place au gouffre. Et des fois, le gouffre, il t'attrape vers là-bas, il te descend vers là-bas. Il te rend difficile la remontade. Quand tu arrives à donner à tout ce cadre-là une direction globalement, ouais, 30 sur 40 de matzah, Hachem, tu arrives à une harmonie entre ton corps et ton esprit par le mariage. Il y a du Yetzer Hara dans le couple, c'est normal. Mais est-ce qu'on arrive maintenant à remonter de ça? Il y a des moments où on sait s'aller. Est-ce que globalement, on remonte de ça, on reste en bas? S'il y a une harmonie dans le couple, c'est que ce n'est pas une relation que de Yetzer Hara. Sinon, au bout d'un moment, c'est Esh. Si on recherche une spiritualité dans le couple, si on recherche à donner une place en soi pour la femme en nous, ouais, donc ça ne peut pas être que corporel. Il y a un peu. 10 sur 40. Alors des fois, on descend parce qu'on n'est pas maître, mais c'est un travail permanent de laisser notre corps un peu, et un laisser aller. Petit à petit, on arrive à donner à notre corps une affectation beaucoup plus précise, que ce soit comme un col, que notre corps, il va exprimer une spiritualité.
c'est compliqué, non, ce que je dis ou pas? Donc, quand maintenant on parle de Jérusalem qui est devenu un lieu exclusivement matériel, les gens, ils étaient Zovea, Rechaim, Toeva, ils allaient au Beth Amikdash, comme on va dans une église, d'avouer nos fautes pour continuer à fauter encore plus. Mais pas un lieu de tchouva, un lieu de slicha, un lieu de kapara, un lieu de bonne conscience. Comme ça, quand je mets à Averot, j'ai même pas une petite voix qui me dit c'est mal, j'ai apporté mon korban. Donc j'ai complètement matérialisé ce lieu. Donc le feu, esh, imen shrima benehem, esh. Le feu, c'est pas par hasard, c'est le feu qui a brûlé le Beth Amikdash. Le feu. Quand il n'y a plus de shrina là-bas, c'est le feu. Et on est venu voir ce lieu-là, les Israël, ils sont venus dormir, on a vu, il ne reste plus rien, le feu a tout consumé. Il dit non, un jour, on reviendra à cet endroit-là, réparé. Le feu qui a tout consumé, vous avez vu combien la matérialisation du Beth Amikdash a tout consumé par le feu. Vous allez y méditer et vous allez vous relever de ça. Le Nes, de sortir du Yetzer Hara, du Hesh, du Beth Amikdash, le Hesh. Ouais. Vous savez que quand il y a du feu, la forêt, elle a encore plus d'engrais. Vous avez des histoires ou pas? Les forêts qui ont été brûlées par les pourritures de rebeux. Ouais. Après, il paraît que la cendre, ça donne un engrais naturel à la forêt. Elle est encore plus vivace après. Tu veux ou pas? Tu ne sais pas cette histoire du feu? Ah oui, il fallait brûler l'exprès, je crois. Ouais, donc le feu, même le feu qui symbolise la destruction, ouais, il vient engraisser la reconstruction. Quand tu réfléchis à ton comportement bestial qui a engendré des scissions dans le cou, qui a engendré un feu dans la maison, tu y médites et que Bor Hashem bénesse, elle ne t'a pas quitté, tu as essayé de reconstruire, ce feu-là va t'aider à reconstruire beaucoup plus solidement et profondément et spirituellement pour ne pas revenir à ce moment douloureux. Ouais. Oh, combien calorifique. Donc le col, c'est cette réunion. Ce n'est pas par hasard qu'au Har Sinaï, il y avait le col. Mitoch Haesh. C'est quoi alors? On présente, donc on part Khatan avec le col. Khatan, c'est la joie. Maman Har Sinaï, c'est l'angoisse, quoi. Maman Har Sinaï, c'est une grande angoisse, quoi. Oui, mais justement, c'est la découverte du col. Le col Hachem, c'est il a accepté Hachem quelque part, lui qui n'est que spiritualité, ouais, d'être audible à nos oreilles. La seule chose qu'on a pu accéder à une certaine, entre guillemets, matérialisation divine, c'est son col, qui nous a tués, bien sûr. Parce que c'était plus spirituel. Aurel, reviens. Col. Le col d'Hachem, c'est le moment où Hachem il est venu nous parler. C'était le seul moment où il a manifesté, ouais, une réalité qui était pour nous palpable. Normalement, c'est un année à Kavod, donc c'est la chose la plus... Nous, on vient percevoir normalement Hachem, pas lui, mais l'écran qui est devant lui. Donc, on ne peut pas le percevoir, quoi. Tout le temps, dans le désert, il se manifestait par un année à Kavod. On manifeste l'écran qui est lui-même spirituel, qui est une fumée, qui est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Qu'on peut pas... Ouais. On ne voit que l'écran, parce qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, on peut pas rien. Mais là, on l'a entendu. On l'a entendu. C'est quoi, on l'a entendu? C'est que les ondes, ouais, c'était le seul accès qu'on avait d'Hachem, ces ondes auditives. Donc, il a dit que la Torah qui est spirituelle, elle peut avoir une place dans le matériel. La Torah, c'est spirituel, c'est la volonté divine. Il est venu maintenant, transférer, on va dire pas transférer, comment dire en français, il a rendu compatible une réalité spirituelle à notre réalité terrestre, que ça soit compatible. Tu sais, des fois tu vas utiliser un programme pour que ça soit compatible à ton
à ton engin. Le spirituel n'est pas compatible, on ne peut pas lire la parole divine. Tu mets la disquette, on ne peut pas la lire. Il a dû lui donner un lévouche, lui donner une écorce matérielle à cette Torah-là. Ouais, on parle de vaches, on parle de femmes, on parle de nourriture. Et ça, cette connexion entre le matériel et le spirituel, c'est le col. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, il y a une union. Une union qui doit être faite à ce moment-là. Alors, c'est marrant parce que d'abord, quand il nous a parlé, on est mort. C'est-à-dire le corps n'a pas supporté l'intrusion du spirituel. Parce qu'il n'a pas été préparé. Au début, quand on prend du spirituel, on ne supporte pas. Il y a un rejet. La greffe n'a pas pris. Non, c'est pas maximal. C'était justement l'intermédiaire, c'est le col. Le col. Même ce col-là, ils ne l'ont pas supporté. Après, du feu est sorti. Ouais. C'est venu nous consumer parce qu'on était trop matériel. Donc, de la mort, on a pu maintenant après arriver à cet équilibre, encore une fois. On a dû passer par la mort. Parce qu'on était trop matériel, donc on n'a pas fait une place en nous. Faire une place au spirituel. Il n'y a pas encore cette place-là, comme on dit que c'est les cols qui les a réveillés. Donc, ils sont sortis de leur bestialité. Le Zohar, il dit, ouais. C'est pour ça que nous, on se lève, que pas nous. Qu'à l'époque, ils se levaient, ils étaient debout pour déjà à Shavuot, pour déjà être prêts à recevoir la parole. Mais pas que c'est le corps a été réveillé par les colottes. Si le col a été réveillé par les colottes, il ne peut pas rentrer dans le corps. Parce que il est. Bon, du réveil, c'est dur, Aurel. Le spirituel, il ne rentre pas, normalement. Vous comprenez un peu tout ce que je vous dis ou pas? Donc, la Torah, hein, c'est une transition entre le spirituel et le matériel, parce que c'est la volonté divine qui est complètement spirituelle, mais qui est adaptée à nos réalités matérielles, qui permet à notre matérialité de nous rapprocher. Donc, c'est le liant un peu, c'est l'intermédiaire. Donc, c'est représenté par un col qui est un intermédiaire. Vous me suivez ou pas? Alors, c'est peut-être qu'à Shavuot, c'est pour ça qu'il y a du Hametz et la Matzah, c'est-à-dire. C'est cet intermédiaire. Vous comprenez ou pas? Non? Ça ne rappelle pas un peu l'histoire de. À Shavuot, pour manger. Ouais. Celui qui dit qu'on gère. C'est Rabbi Eliezer. Même qui dit que à Sukkot et à Pessah sont si, mais sa Martha Bechagecha il l'accomplit par le limud Torah exclusivement et pas par la Achila. Mais à Shavuot, non, comme Nitna Botora, donc il faut donner une place au corps. Parce que la Torah était donnée aussi pour élever le corps, Zach. Donc c'est le Hametz. Donc relisons le Passouk et essayons maintenant de répondre à vos questions. Oui? Sur quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit au début? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un peu nécessaire. C'est un peu Hachem dans sa bonté à lui qui a voulu nous sauver, alors peut-être qu'on était un habitant. Je ne sais pas, juste à dire que la classique chez Netzara. Quand le Midrash, il dit dans Bereshit, il n'est Tov Meod. C'est Yetzerara. Tov Meod. C'est Yetzerara. Sans ça, il n'y a rien. Sans ça, on ne reconnaît pas notre dépendance à Dieu. Sans ça, on ne reconnaît pas. On peut se prendre. Le problème de Adam Harishon, comme il n'avait pas Yetzerara comme nous l'avons, il se prenait pour Dieu. Il ne voyait pas sa dépendance. Nous, on est sans arrêt en train de tomber et se relever. Ouais. Même le tzaddik, d'accord ? Sans arrêt de tomber et se relever. Donc, ça nous fait prendre conscience qu'on est faible et qu'on a besoin d'être divine. Bara Torah Tavlin, ouais. Etc. Sans Torah, on ne s'en sort pas. Donc, je vais nous donner une Torah qui donne une place au etc. et qui le cantonne. Ouais. C'est le Geder. Torah, c'est la Tavlin. C'est le médicament. Et sans la Torah, ouais. Il voulait, on se fait boucher. Wesh, comment on dit la gmara déjà? Il voulait un truc.
ou Esh, Yetzirah et Esh. La Torah nous protège, quoi. Je ne me rappelle plus le lachon de Bidouk, la Torah. Hein. Même dans ça, je n'ai pas de mémoire. Et donc c'est Tov, le Yetzirah. Pourquoi le Yetzirah, hein? C'est pour être Metaken, le Chet Adam Arishon, de croire qu'on est autonome. Hein. Ça nous fait avant tout prendre conscience de notre dépendance à Hachem. Et c'est exactement ce qu'on vit, ce qu'il a vécu mon camarade de Beta Midrash par ses coups de hache dans la nuque, c'est qu'il a ressenti sa dépendance à Hachem. Avant, il était dans le train-train Torah boulot. Hein. Donc, bon, Hachem, il s'est fait la tfila, il fait sa Torah, etc. Je suis un bon juif, je suis un tzadik, etc. Je ne dis pas qu'il est gaftan. Comme on a dit dans Tfila Léani, quoi. Mincha, justement, ça reste Tfila Léani. Tu te rappelles comment on avait expliqué? Tu viens avec tes ma'asim et tout à Mincha. Comment? La fois, tu as voulu expliquer justement que par ces ma'asim tobim, on va pas faire que ce n'est pas un ex. Non, pas du tout. Non, bon, je reprends tout depuis le début. Non, sans l'exemple. Non, faut que je reprenne tout. Je te rappelle pas ce que je dis sur Tfila Léani? C'est-à-dire quoi? Pourquoi on a dit que maintenant, de mincha, on dit la soir basadé, et d'où on sait que sicha, cette fila, c'est marqué tfila leani, qui a atov, tfila leani, qui a atov, et je porte. Hein? Voilà. Donc, en sicha et la tfila. Et pourquoi c'est introduit par tfila leani? On parle de tfila de mincha. C'est pas Annie, je viens justement avec ma avodat hayom. Parce que justement, même quand j'ai fait mon avoda, sans Hachem, je n'aurais pas pu la faire. Pourquoi sans Hachem? C'est ça d'être filat shacharit. C'est quoi de filat shacharit? C'est Hachem, on fait appel au chesed d'Akadosh Baruch Hu, donne-moi les forces d'eux. Grâce à shacharit, j'arrive à mincha en tefilah l'Ani. Si Hachem n'avait pas donné les forces, j'aurais pas pu bien étudier, j'aurais pas pu bien prier, j'aurais pas été en forme, j'aurais pas eu autant de facilité, j'aurais eu des épreuves terribles qui m'auraient fait tomber. Donc, grâce au chesed de Shacharit, le din de Mincha, il est tfila le'ani. C'est la Ezra d'Hachem qui m'a permis. Mais je viens maintenant, j'ai promis Hachem le matin, je me suis levé le matin en faisant des promesses. Voilà, bon Hachem, tu m'as donné la vie, je te promets de mettre mon corps à ton service. Ça, c'est le matin. C'est des promesses. Donc, elle n'est pas exocémia de la prière parce que tu n'as pas encore de réalisation. Ouais. Mais Hachem Bechesed, alors il va. Il va t'aider. Il va t'aider. Tu viens maintenant commencer ta journée avec sa disposition d'esprit. Prédisposition d'esprit. Tu veux te mettre au service d'Hachem, ça c'est Shacharit. Quand tu arrives à Mincha et que tu as accompli tes promesses du matin. Hein, tu arrives à Mincha et que tu as accompli tes promesses du matin. Ouais. Alors là, donc tu as été au maître dans le din. C'est quoi le din? On vient juger maintenant des promesses que tu as dit le matin. C'est le din. Sha'at ad-din. Alors, puisque maintenant tu viens avec des réalisations, c'est un moment où tu es susceptible, pas obligé, mais Hachem est susceptible de répondre immédiatement à tes demandes. Parce que c'est quoi répondre à tes demandes? C'est Hachem, continue à me donner ce que tu m'avais prêté jusqu'à présent, que maintenant j'ai prouvé que j'en fais bon usage. Donc ça peut être exaucé immédiatement. Pourquoi? Parce que je viens avec des choses concrètes. Ce n'est pas juste je te promets, je vais faire le mieux, etc. Non, je viens avec des choses concrètes. Mais si tu n'es pas comme Eliyahu Hanavi, Mincha, ça peut être terrible. Ça peut être Shatardin. Mais même si quand tu es Eliyahu Hanavi, tu dis voilà, je viens avec mes massim, Hachem, allez, Hachem. Allez, à boule le fric, Hachem. Non, c'est de filer à l'Erani. Sans maintenant les forces qu'il m'a données à la Boker, sans le chesed qu'il m'a donné, je ne serais pas arrivé à ça. Parce que je suis que Yetzerara. Le fait qu'Hachem m'a donné la Torah, les mitzvot et qu'il m'aide à l'accomplir. Ouais. Sans ce Yetzerara, je n'aurais même pas l'impression que Hachem il a participé à mes mitzvot. C'est mon choix, c'est ma vie. Quand on peut faire des mitzvot, on peut se lever, on est de bonne humeur le matin pour étudier. C'est un cadeau d'Hachem, c'est chesed d'Hachem. On n'est jamais. On peut jamais venir avec. Ouais, Hachem, t'as vu, je suis un balèze. Rien, sans les forces de Hachem, je n'aurais rien pu faire. Donc ça a toujours de fil à l'ani. Mais c'est un minra de fil à l'ani où on aurait pu se tromper. T'as vu ce que j'ai fait, Hachem?
n'as rien fait, sans moi, tu n'aurais pas pu le faire. Mais Kol HaKavod, que tu as bien exploité. Ouais, Kol HaKavod. Mais ce n'est pas de toi. Il a maté Torarbe. Altarzik Tova, le Hatzmecha. La maté Torarbe. Les gars, tu as été créé. Bon, c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai donné les forces. C'est la mission que je t'ai donnée. Mais ce n'est pas Tova, le Hatzmecha. Sans moi, tu n'auras plus rien fait. Qui c'est qui a donné un cerveau? Qui c'est qui t'a donné l'argent pour être tranquille, pour étudier? Qui c'est qui t'a donné tout ça? Qui t'a donné la bonne rabouta? Qui t'a donné tout ça? Tu comprends ou pas? Finale, Annie. C'est quoi ta question en fait? Le Yetzer Hara, il est fondamental, le Yetzer Hara. Parce que sans le Yetzer Hara, ouais, alors on se prendrait pour Dieu, comme Adam Harishon. Si tu te poses la question, ça sert à quoi le Yetzer Hara? Bah, relis dans la Torah, quand est-ce qu'il a été donné à l'homme, le Yetzer Hara? Donc il a été donné à l'homme pour réparer un problème, pas pour punir. Yetzer Hara est une réparation. L'homme a prouvé qu'il a besoin de Yetzer Hara. Parce qu'il voulait être à l'égal de Dieu. Un homme qui a dû être Sarah, même pas, il commence à imaginer qu'il a dû. Il ne peut rien faire sans l'aide divine. Pourquoi Hachem a donné la Torah si tard? C'est tard la Torah. Quand est-ce en 2448 qu'il a donné la Torah, Hachem? C'est tard quand même. L'humanité, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Justement, je l'ai déjà expliqué une fois. Que Adam Harishon, il a vécu très longtemps, il était très intelligent et très fort, etc. Il n'a rien pu faire. Noir, il a limité les dégâts. Ouais. Les générations, ils ont cherché comme ci, comme ça. Sans la Torah, l'humanité, là, elle est tombée. Le Midrash, il représente quelque chose comme ça. Hachem, il est descendu sur terre. Ouais. Alors, Adam, il a fauté, il est monté d'un ciel. Après, Enoch, il a fauté un deuxième ciel. Etc. Et après, on est monté à ses cieux. Avec la Torah, elle est redescendue. Ouais. Avec Avraham Hishon, elle est descendue d'un niveau. Avec Aïtra, nanana. Et après, la fauté, c'est remonté. C'est-à-dire, quelque part, sans la Torah, ouais, l'homme, il s'éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le médicament pour faire face au Yetzera. Comme maintenant, on a reçu la Torah à Arsinaï, l'humanité nous a prouvé que même les philosophes les plus grands comme Bilam, et les gens les plus forts comme Adam Harishon, et les gens, et tout ce que tu veux, sans la Torah, ils ne s'en sortent pas, ils tombent très très bas. C'est un message pour l'âme Israël. Sans la Torah, on ne peut rien faire. Donc, quelque part, la Yetzer Hara, elle parle, la Torah, elle parle au Yetzer Hara, et elle est nécessaire grâce au Yetzer Hara. Sans Yetzer Hara, on pourrait croire que je n'ai pas besoin de Torah. Donc, on remercie qu'il y ait du Yetzer Hara qui nous pousse à nous plonger dans la Torah. Moi, je connais pas mal de gens, même proches, mais des fois ils tombent, ils se éloignent de la Torah, etc., etc. Et au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus d'être si bas. Alors, avec leur look de punk et leur mode de vie zarbi, ils vont faire une rabouta. Eux-mêmes, ils sentent qu'ils ne sont plus du tout maîtres de leur vie et qu'ils ont besoin d'étudier pour Baratora Tavid. Eux-mêmes, ils sentent quelque chose qu'on ressent. Celui qui a des problèmes avec sa femme, celui qui a des problèmes avec son enfant, qui a des problèmes avec son etc. S'il n'a pas compris que Torah Tavlin, c'est un misken gadol. Misken gadol. Donc grâce au Yetzer Hara, la Torah est mitkayemet. Et grâce à la Torah, on peut être mitkayem avec le Yetzer Hara. Vous me suivez ou pas? Non, ce n'est pas ton Yetzer Hara. C'est la Hametz. Le pain de la subsistance. Razak David Baslacha. Tu vas pas t'en priver non plus. Donc si on résume ce qu'on est. C'était trop compliqué ce que j'ai dit, Nathan, ou ça va? Tu connaissais tout ça de toute façon? Hachem Natan la Torah. Si on résume un peu, on essaie de synthétiser tout ça, c'est que cette Gemara, qu'elle est rigolote,
elle nous dévoile des trucs un peu compliqués quand même. Enfin, c'est-à-dire, si on l'a lu comme truc, bon, on a fait un mime, c'est-à-dire. Mais déjà, on a une question sur le passouk. Qu'est-ce que tu colles déjà par rapport à Orban, que Irmé, il y aura col, ça sent que si on. Bon, quel rapport avec la Khatouna déjà? Mais on ne parle pas que de ça, il a demandé, le père. Il a dit, et pourquoi on parle col, omrim et tout? Dommage et tout, on a l'impression qu'on parlait que de mariage, et puis Tom, on revient en corbanote. En plus, c'est un suspense. C'est qui col, omrim? C'est le Khatan, Bekala. Non, mais Vim Toda. J'ai l'impression qu'il est en commun un peu, le col, omrim. Il concerne autant le Khatan Vekala que Vim Toda. Oui, parce que Khatan Vekala aussi, ils sont mes Vim Toda en vérité. Parce qu'ils viennent maintenant donner Yetzerara à sa place. Prouver qu'on peut vivre avec le Yetzerara. S'épanouir avec le Yetzerara. Que le Yetzerara, il est nécessaire pour se marier. Sans Yetzerara, on ne se marie pas, comme on voit avec le Yetzerara, que Israël a voulu être Chochet, le Yetzerara. Stam Yetzerara, c'est Znout. Stam Yetzerara. Ouais. Stam Yetzerara. Et donc, c'est depuis qu'il n'y a plus d'Avodazara, bien sûr. Hein. Depuis qu'il y a Avodazara, Stam Yetzera, c'est Arayot. Et donc, quand il a tué le Yetzera à Ezra, il n'y avait plus d'œuf. Il n'y a plus d'union. C'est un machin pour dire qu'il n'y aura plus de mariage non plus. Ouais. Alors, donc, le Yetzera est nécessaire pour qu'on se marie. Mais si on reste avec ce Yetzera, c'est le feu. Donc, le Yetzera m'amène au mariage, qui est une sorte d'union comme la Torah. Ouais. Ça m'amène à la Torah, de la même manière. Que Yetzera m'amène à la Torah, le Yetzera m'amène au mariage. De la manière que ces millénaires sans Torah, alors il y a un besoin de cette Torah à cause du Yetzera, ce célibat a amené au mariage. Mais après, la relation avec la Torah est compliquée. Il y a des disputes avec la Torah. Il y a le veau d'or, il y a le signe. C'est compliqué. Aliot, Iridot. On est tout en train de regretter d'apporter des korbanot, un korban Toda. Quand maintenant on est tombé trop bas, le Ham Israël est tombé trop bas, avec la Shoah on est tombé trop bas. Une grande assimilation, une grande déconnexion, une grande colère divine. Putain, un grand moment de tchouva, on amène un korban Toda. C'est grâce à cette assimilation terrible qu'il y a eu un grand mouvement de tchouva. Le Ham Israël se sentait vide de valeur, comme l'expliquait si bien le Rav Urizoar. Tu connais le Rav Urizoar? Cette tchouva, c'est un korban Toda. S'il n'était pas tombé tout si bas, il ne serait pas monté si haut, parce que ce n'est pas un bal tchouva comme d'autres. Je ne veux pas citer. Il y a plein de chanteurs balchouva que c'est des bons, des rigolos. C'est bien qu'ils aient tchouva, mais c'est des rigolos. Lui, c'était un tzaddik qui est sodolam. Je ne sais pas si tu connaissais un peu. Il vivait dans un 30 mètres carrés. Je voyais quand il y a des, je suivais un petit peu ce rat, ouais. Des divans des années 60, je sais pas. Divans pourris. Le mec, il était au summum. C'était number one. C'était le Alain Delon israélienne. Le Tom Cruise, hein? Il était en plus, non, Gad Elmaleh, il était comique, il était tout, musicien, il était, la totale, quoi. Le number one du monde Chiloni. Et il a vu, ça c'est du bluff. Il n'a pas fait de tchouva. Pas qu'il est devenu Haredi, devenu un bel HM, le mec. C'est le Rav Char qui le forçait à faire des conférences. Lui, il voulait étudier Yomam Valaila. Il voulait aucun contact, aucun pirsoum, aucun kavod, rien. Être dans son trou. Dans son trou. Dans sa caverne. Davoda, Hachem, Tmima. C'est le Korban Toda. S'il n'était pas tombé si bas, il ne serait pas monté si haut. Je ne sais pas si de parents religieux, il serait monté si haut. Je ne sais pas. Peut-être. C'est une avoda difficile. Des fois, le tomber très bas, ça nous aide à aller si haut. On a goûté. Au maror, alors on a envie de manger de la matzah. La matzah, ça n'a pas de goût. Oui, mais après à manger l'amertume, je mangeais justement un truc qui n'a pas de goût. Ça t'attire quoi, la matzah? Ça n'a pas de goût. Après l'amertume, c'est ce que je veux, justement. Je n'aurais pas été attiré par la matzah s'il n'y avait pas de maror. La liberté est belle quand on a connu l'esclavage. Mais ce n'est pas une liberté, mon ami. Oui, c'est une liberté. C'est ça, la liberté. Il faut d'abord descendre en Égypte. Il faut d'abord tout perdre. Pour voir c'est quoi la Torah, la beauté de la Torah. On a besoin de le mariage aussi, c'est une descente dans ce monde, le mariage. Une vraie descente. Ce n'est pas pour te décourager, c'est pour t'encourager, justement. C'est le but de la vie. Le but de la vie, ce n'est pas de vivre comme un moine, c'est shalom. C'est de mettre là-bas Hachem. Même là-bas, il faut mettre Hachem. Il semble la chose la plus.
opposés à la Shrina. Non, non, Shrina Benem. Là-bas, il y a Hachem, là-bas particulièrement. Là-bas. C'est dans ce lieu de désolation, il dit le prophète Jérémie, que vous entendrez le col, qui est donc cette spiritualité qui est matérialisée. Que le Beit HaMidrash, c'est un makom matériel où il y aura un chouk prospère. C'est connu. Comment c'est possible qu'Yerushalayim, c'est un endroit où il y a plein de bouffe. Plein de bouffe, Yerushalayim, tu sais. C'est un chouk. La terre est chouquée, Yerushalayim. Tu connais Maaser Shenis. La terre est chouquée, Yerushalayim. On doit amener, c'est dans un knas de Chomesh. La terre est chouquée. D'embellir chouquée, Yerushalayim. C'est un lieu de prospérité matérielle. C'est un lieu où il y a la simcha, la ratuna. Ratuna, pas Jérusalem. Ça, dans les champs. C'est pas matim. C'est rigolade de mariage à Yerushalayim. C'est bizarre, non? C'est bizarre, non? Pas bizarre. Jérusalem, c'est une ville, tu vois, c'est genre les Avdil, tu vois, au Vatican, tu vois les mecs et tout gris, tout blanc. Bon, on va faire là-bas. Avec les flambeaux, les trucs, le batra, le rapport au Vatican. C'est un lieu de méditation transcendantale. Quel rapport? C'est dans les églises. Pour pas qu'on oublie ce que c'est une église, souvent ils mettent une tombe dedans. Hein, dans la cave de l'église, il y a souvent une chapelle où il y a des tombes dans l'église. C'était pas au courant? C'est dans l'église. Nous, c'est la vie! La réussite dans la Torah, c'est quelqu'un qui arrive à. Comment Shavuot, toi? À manger, à être sa mère avec la Gashmiut. Shavuot, c'est la Torah. On a du mal au début, la Torah allait venir nous a tués. Bah, Kesher. Si tu es complètement spirituel, tu meurs. Si tu es complètement matériel, tu meurs. C'est ce col. Donc le col, il nous a tués, mais après, on a dû réfléchir à ce col. Pareil. De toucher la matière, ça nous tue au début parce qu'on se laisse attraper par ça. Ça nous tue le col. On peut y avoir intérêté. On tombe, le mariage, on tombe. On se relève. Ce col, il nous tue, mais après, on se relève. On arrive à cet équilibre. La vie est faite de mort et de résurrection permanente. Ouais. C'est comme ça. Voilà. Donc, il y a 5 cols. 4 cols qui concernent la Simcha et essentiellement la Ratuna. Et la cinquième, le cinquième col, lui, il a l'air d'être lié aux deux. C'est-à-dire qu'il y a un toda, et donc du chametz et de la matzah dans le mariage. Ouais. Et il y a le korban toda aussi, c'est un peu entre les deux, comme ça. Et Jérusalem sera un lieu où il y a donc la simcha de l'union entre le matériel et le spirituel représenté par le mariage, et l'union du matériel et du spirituel représenté par la toda. On est venu maintenant sanctifier le Yetzer Hara, ouais, utiliser à bon escient et de manière, regardez que ce Yetzer Hara, il m'a amené à tomber et à voir Hachem, je ne voyais pas Hachem comme ça avant, et c'est grâce à mon Yetzer Hara que j'ai pu voir tellement Hachem, voir ce Nes là. C'est vrai que il faut 30 pains de plus que 10, c'est pas n'importe qui peut avoir un Nes. Bref, un Rov Mouchlat, 3/4 de mitzvot, d'ailleurs, quand on est dans le danger, souvent c'est Yetzer Hara, il donne la main au Malach HaMavet, c'est fini. Et là, il y avait comme 3/4 de positif qu'il a sorti du truc. Eh bien, la suite de la Gemara, justement. Qu'est-ce que j'ai pas répondu? Alors, Rachid, il s'est mezalzel. Alors, le pshat, c'est quoi? Rachid et Mezalzel. Hein, Over, hein, c'est pas une avera. Hein, c'est Mezalzel. C'est-à-dire que le prophète, il présente que le mariage, c'est quelque chose de kadosh. Que c'est vrai qu'il y a du matériel dans ça. Mais ce matériel, tu dois le mettre au service du spirituel. Le mariage, c'est kadosh. Et la paracha de Yirmiyahou s'est montrée, tu vois, ce Makom là qui est en désolation à cause d'un excès de matérialisation,
Il y a un jour maintenant où il y aura la Khatuna qui représente justement que c'est quelque chose de kadosh le mariage. C'est une mitzvah très importante. On peut sanctifier le matériel. Donc, Kol Anéné Miseouda Tratan, il vient maintenant manger un bon repas. Ouais. Mais il ne vient pas exploiter le bon repas. Non, on a dit que le bon repas, c'est pour mettre en bonne humeur. Cette bonne humeur, ce n'est pas parce que je suis content, j'ai bien mangé. C'était sympa, c'est très très bonne des côtelettes. Enfin, je n'oublierai jamais ce mariage, les côtelettes. Attends, on ne parle pas des côtelettes, on parle que Chava, ouais, les côtelettes. Chava, ouais, justement, c'est la côtelette, ce n'est pas ça que tu dois manger. Tu dois aider Adam à donner à sa côtelette sa place, pas à mettre ta côtelette dans ton ventre. Donc si maintenant on te donne du vin et de la viande, ouais, avant les rikudim, c'est pour pouvoir avoir de la joie, et celui qui a de la joie, il peut donner de la joie. Et c'est quoi la joie que tu as donnée? C'est par le col. Ce n'est pas essentiellement par les danses. C'est tes danses-là qui sont encore une expression de joie matérielle. Tu danses comme un débile. Ouais, tu danses, tu sautilles, on dirait un enfant. Mais tu vas au milieu de ta danse chanter des Shvachim de la Kala. Donc, tu vas spiritualiser cette danse-là. Donc, tu dois être néné, c'est vrai. Mais cette Anaha doit maintenant arriver à donner à ce couple-là qui est la formation d'une nouvelle corporalité, qu'au noyau de cette nouvelle corporalité, il y a de la spiritualité. Comment on peut créer cette union en disant elle est magnifique pour toi, de trouver qu'il y a un point commun entre toi et elle. Donc celui maintenant qui est né, il va au mariage pour toute l'ambiance. Il va au mariage pour toute l'ambiance. Manot Yekarot, ouais. Velom et Samcho, il met Zalzel. Dans la prophétie d'Irmiaou que pour arriver au Tikkun Agadol, il faut sanctifier le matériel. Mais elle zèle, vas-y. Bah, d'ailleurs, mais elle zèle. Là-bas, c'est vrai qu'on parlait de Ratouna. C'était mes azèles du col. On dit mes azèles, mais Hamisha Kolot, ouais. Le prophète a répété à 5 reprises un col qui représente cette jonction entre le spirituel et le matériel, ouais. Qu'il faut accomplir. Et quand maintenant quelqu'un il reste dans le matériel sans lui donner son affectation spirituelle, mais elle zèle dans Hamisha Kolot. Non ? Nathan, je te sens dubitatif. Non ? Je sens que tu as un safek, tu as quelque chose de pas clair. Tu médites peut-être. Je passerai par le mariage pour dire ce message très important. Bataille, c'est que le mariage qui nous prouve. On peut dire, par exemple, celui qui a eu un miracle qui ne va pas reconnaître sa grâce, par exemple. Non. On ne va pas reconnaître sa grâce. Non, alors on peut. Ensuite, on... Mais c'est trop profond, c'est trop. L'histoire du Hametz, c'est trop compliqué, le Hametz. Après, je t'ai tout expliqué dans Todat. Après, je t'ai tout expliqué Todat, t'es devenu intelligent, Pitom. Mais le mariage, on comprend bien cette notion-là, c'est qu'on vient sanctifier une relation charnelle. C'est clair, l'idée du mariage. C'est pour ça que dans toutes les religions, les prêtres, ils ne se marient pas. Ça va pas ensemble. Les hommes religieux, ils se marient pas. Quoi ? Faut réfléchir à quoi ? J'ai pas compris ta question. Que la Gemara a voulu transmettre ce message qui peut être intéressant et profond. Petit exemple comme ça, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas un exemple. Elle nous a mis une Gemara incompréhensible, d'abord. D'abord, la Gemara, l'incompréhensible. Tous les trucs profonds sont transmis par des Gemaras que même le Pshat n'a pas. C'est quoi ce truc ? Au verbe, Hamisha Kolot. C'est quoi cette phrase ? Au verbe ? Tu sais que tu es au verbe sur des Averot, ouais. Tu es né, tu n'es pas mes amis. Quel rapport ? Ouais. Le Passouk, on ne comprend pas le Passouk, Birlal. Ouais. Après, on te dit, et si maintenant tu es Messamro, quoi ? Tu es au verbe, Hamisha Kolot. Al pipchat, t'as pas de pchat. D'accord, t'as pas de pchat. Tu peux traduire, mais t'as pas de pchat. Tu comprends pas le rapport, Michel. Donc tu vas devoir approfondir. C'est quoi la notion du col ? Qu'est-ce qui veut dire le prophète Irmiaou ? Pourquoi dans le passouk on parle de toda et on parle de mariage ? C'est quoi la notion du toda particulière ? Qu'est-ce que tu appelles un cas extrême ? Un cas extrême, c'est le cas. J'aurais dit le moment pire. Quoi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le cas qu'a donné Agmara. C'est quoi le cas qu'a donné Agmara ? Le cas, il est un peu extrême. Qu'est-ce que tu aurais donné, toi ? J'ai un petit, en fait, je
réfléchir à ça. J'aurais des cas plus pour savoir que. Ouais, ma femme, ou... Ah très bien, oui, t'as raison, ouais, t'as raison. Ouais, je comprends ta question. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il est avec sa femme, on peut pas dire qu'il est, il est au verbe Chamisha Kolot. Pourquoi? Ah, c'est une épreuve très dure, hein. On est dans le feu de l'action, donc on dit, ouais, c'est une vie de travail, ouais, d'accord. Mais là, ça va, c'est pas toi qui te maries là. Là, ça va, c'est-à-dire. Maintenant, de porter un regard juste sur le mariage, c'est quand tu n'es pas dans le feu de l'action. Hein. Tu es extérieur. C'est quoi le mariage? Ça va peut-être t'aider pour ton mariage à toi après, du coup. Mais quand tu es extérieur, on ne te demande pas grand-chose quelque part. On te demande maintenant de sanctifier le repas que tu as mangé et que c'est un rapport avec le mariage. D'accord? Donc, si maintenant cette méditation elle est accomplie, alors toi-même, tu vas porter un autre regard sur le mariage, mais de manière indirecte. Alors, violemment, on ne va pas dire à celui qui. On va pas repousser les gens d'accomplir le rapport conjugal et en faire des moines, ouais. C'est un problème de faire des moines. Enfin, attention, il faut que. Alors, c'est vrai qu'il y a une Mara qui parle, il faut être Mekadesh et tout, Beshet Azivou, qui est compliqué, etc. Ouais, elle est compliquée, cette Mara-là. Cette Mara d'Onida, qui est compliquée, qu'il faut étudier Beyoun. Moi, je l'ai regardé avec tous les Rishonim, c'est très compliqué. Il y a une grande marloquette Rishonim. Si on est possédé comme cette Gemara. Il y a une Gemara, bon, mais qu'est-ce que c'est tout un limoud là-bas, que je ne veux pas faire actuellement pour un tiers du public. Et donc, il n'y a rien à faire dans ce Gdushat Hazivou. Il n'y a rien à faire. Mais c'est un truc très compliqué. Ouais. Et pas tout le monde est au niveau. Pas tout le monde est au niveau. Et ça peut écœurer du mariage. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans les Mandré Khatanin, on ne parle plus de ça. Quoi. On n'est plus au niveau quoi, de parler de ces choses-là. Le Gdushat Hazivou, on ne parle plus de ça. On ne parle plus, c'est fini. On ne parle plus de ça. Ça crée plus de problèmes qu'autre chose. C'est un gros problème. Quoi. Alors, un mec, avec sa vie, et son Yetzer Hara, petit à petit, peut-être il va s'intéresser, peut-être il va étudier le sujet. Peut-être... Et il arrivera à faire des choses, mais on ne veut pas lui mettre un archiguide sur la tête. De lui casser l'envie de se marier. Il va, je me suis marié, j'ai écouté les choses, j'ai dit, attends, mais c'est mission impossible, votre truc, là. Impossible, ouais. Parce qu'on présente le truc, genre, comme ça, d'emblée, c'est, on va dire, c'est des années de travail, c'est impossible, je veux dire, c'est pas des moines, je préfère rester moine, c'est pas cette histoire. Alors, aujourd'hui, ils ont changé justement la guicha. Ça vient de l'homme lui-même. C'est comme la chorma, ouais. Le yun, les agadot, on ne l'apprend pas dans les yeshivot. Parce que les bachouris, ils risquent de devenir fous avec ça, de dire n'importe quoi. Ils vont dire des ch'touat avec ça. Alors c'est comme la chorma. On ne l'apprend pas dans les yeshivot, on apprend le cheshbon, ouais. Bénitoire, allez, tout nim. Je ne cherche pas les tiratiout. Mais celui qui est matim, il a découvert un jour. Pareil. Les choses élevées ont. On ne les impose pas. C'est à l'homme de les découvrir avec le temps. Parce que s'il a une recherche, il va le trouver. S'il n'y a pas de recherche, c'est mieux qu'il. Il ne vaut mieux pas qu'on lui donne la chorma s'il n'y a pas de recherche. Il y a Balbel auto. Tout ce yoon-là, hein, ouais, qu'on est en train de faire, que certains rabbins ils développent au Bahourim, ça finit en kata. Hein. Les mecs, ils racontent n'importe quoi. C'est comme le mec qui fait de la Kabbalah alors qu'il n'est pas prêt. Ouais. Il fait les pires avérotes en disant des idées très élevées. Hein. Donc, il faut apprendre. Aux enfants, au Bahreïm, du terre à terre. Et s'il est intéressé à la Chorma, eh ben, il y viendra lui-même après avoir déjà formé son esprit à la rigueur. Mais ce n'est pas du tout le moment, à cet âge-là, de leur présenter des idées tellement élevées parce qu'on s'embrouille au milieu. Pas tout le monde est matim. Alors, c'est pareil, la Kdoucha aussi, pas tout le monde est matim. C'est un besoin qui doit être généré par les années, par la recherche, par l'harmonie qu'on doit avoir avec nous-mêmes. On est un dor quand même assez compliqué, donc il faut. J'imagine qu'il y a des générations, on apprenait au Bahroum la Chorma et ça ne posait pas de problème. Quoi. Aujourd'hui, comme ils sont à Tzlan, ils vont tout de suite utiliser des phrases profondes pour faire des ch'touyot. C'est comme ça. J'adore. Donc c'est sur le temps qu'on avance. Il ne faut pas être pressé. Les athlètes. Dans tout, les athlètes. Donc, c'était quoi ta question? Ta question, c'était un cas particulier, ouais, où on parle de quelque chose symbolique qui est le mariage. On ne te demande pas un truc impossible à faire ou très difficile à faire, qui est Gdushat Hazivoug.
On parle maintenant, tu es en train maintenant de manger un repas. Pourquoi tu le manges? Pour être messaméar ou pour ton ventre? Quand tu es messaméar, ouais, un repas, un enjeu qui est lui-même une simra qu'on doit spiritualiser, alors c'est bien le sujet. Tu n'as pas compris c'est quoi un mariage, et tu n'as pas compris ce qu'il a dit Irmiaou, et tu n'as pas compris c'est quoi un col, et tu n'as pas compris c'est quoi la Torah. Et tu t'en vas, Dan ? Batterie ? Tu n'as pas de prise ? Tu ne peux pas écrire, tu dis ? Alors tu vas retenir dans 2 mois. Alors regardons la suite de la Gemara. Ça m'embête, je ne voulais pas l'approfondir. Oh. Je m'étais promis de ne pas l'approfondir. Moi, j'avais dit dans Brachot, je vais approfondir que les sujets qui parlent de Tfila. Il ne faut pas qu'on mette 10 ans sur cette masterclass et qu'on mette le nombre d'années qu'il faut pour après sortir des balles de Tfila. Et donc, tous les sujets qui ne parlaient pas de Tfila, je dis, bon, on va les lire, etc. Mais je m'énerve. Excusez-moi. Donc, alors, Imessar Bro Masraro, c'était écouté le shiur en direct live, en différé. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Zoche le Torah shenitena bechamisha kolot. Il y en a qui sont grâce à Hamisha kolot. Shenemar, Vayi, Bayom, Hachelishi, Biot, Aboiker, pas à Bakar. On aurait pu être Gores à Bakar. Quand on était plein, on était un vrai Bakar. Vayi, Kolot ou Brakim, Veranan Kaved à la Har, Vekal Shofar. Vayikol Hashofar, Kol Hashofar. Vayelokim, Yarnenu Bekol. Donc, il faut étudier le passouk là-bas, toute cette répétition, ça sera intéressant d'après notre explication, voir c'est quoi cette répétitude. Mais j'ai dit, je ne ferai pas de yun tout simplement. Eni, et vraiment, si j'avais voulu faire du yun, j'aurais dû non plus, en plus tomber dans le verset et justifier ça col. Qu'est-ce que ça veut rajouter? Pourquoi il est chasser? Pourquoi il est trop. On a dit qu'on ne ferait pas de yun. Véactive. Véchol ha'am roim et ta kolot. Non. Cette notion-là de roim et ta kolot, non? C'est une chanson? De toute façon, ils ont fait des chansons sur tous les psukim. Maintenant, on peut plus aller le roumage sans chanter et danser maintenant. Je ne connais pas, moi, les chansons religieuses. J'aime bien la religion, mais j'aime bien la musique aussi. Et je pense que les deux ensemble, ça n'a pas trop marché. Et donc, c'est très bien. Hein, je parle. Si ce n'est pas une chanson religieuse, on n'a pas le droit parce que les paroles, si ce n'est pas des paroles de quelqu'un de religieux, il ne faut pas écouter. Mais je parle de musique. Musique de quelqu'un de pas religieux, je ne sais pas. Chez Ella. La clé de Torah Box. La clé de Torah Box ? Ouais, une clé de 300 000. Pas une clé, sur le site, quoi. USB. Ah bon ? Ouais. Il y avait distribué. Pas de pandémie. Clé USB avec 300 000. Ouais. C'est permis de copier ça? Mais il n'y a pas de problème de copyright? Peut-être c'est tous les trucs qui sont sur YouTube, peut-être. Bon. Parce que moi je copie uniquement ce que YouTube. Bon, c'est assez limité dans Netflix YouTube, mais il y a certains trucs qui passent. Et donc, si le mec il met sur YouTube, c'est que. A priori, mais pas tout son album sur YouTube, il met quelques chansons quoi, en général. Ouais. C'est pour se faire connaître, quoi. Donc. Mais copier l'album, non. Je pense que c'est pas bien. Est-ce que c'est du gazelle ou moins grave que du gazelle? En tout cas, c'est pas sympa. Le mec, il a bossé et tout. Donne-lui un peu d'argent, c'était bien sa musique. Pas sympa. Pas d'argent. Bah écoute, chanson de babar. Donc Véactive et Rola Amroy met ta colotte. Alors, Agmaral demande, attends, mais il y en a encore deux là. Enfin, il y en a encore deux là, ouais. Kolot au pluriel, il y en a encore deux là. Dans le chapitre d'après, il y en a encore deux. Pourquoi tu dis qu'il y en a 5? Il y en a 7 en vérité.
Non, autant kolot décodé matan Torah. Vous. Ces kolot-là, ce n'est pas celles qui sont venues avant le matan Torah. C'est les kolot qu'on a vues. Les kolot qu'on a citées avant, les cinq kolot qu'on a citées avant, qui sont venues juste avant le dévoilement divin, le pasouk qu'on est en train de lire reprend ces kolot-là pour dire que ces kolot-là, qui étaient Shofar, Bebrakim, etc., Raou Otam. C'est Hamesh Kolot, Raou Otam. C'est pas que le pasouk quotidien, il y en a encore eu d'autres. Non, 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 on revient en arrière. Raou Otam, regardez Rashi. Pas de Rashi. Autant de colottes des Kodem Matan Torah à vous. Enar Kolot Batrae, ces colottes dernières. Aïnou Enar de Aïre Beoulel, c'est celle qu'on a parlé plus haut. Veka Amar de Nirim, et qu'est-ce qui va rajouter le verset? Pas nous rajouter qu'il y a eu d'autres colottes, non, les colottes qu'on a parlé plus haut. Nirin Ayou, ils les ont vus. Afalpi Shakol et non Nire, Zeniré. Bien que le col, normalement, il n'est pas visible, ce col-là, il était visible. Après, ce qu'on me dit, peut-être qu'on peut comprendre, non, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui m'apprend le pasouk, là? Qu'ils ont vu ces colottes. On ne voit que des choses matérielles, quoi. C'est-à-dire, ces colottes, le fait qu'Hachem, il ait voulu exprimer sa Torah par un col, enfin, introduire sa Torah, plus exactement, introduire sa Torah par un col qui symbolise que la Torah elle est la matérialisation d'une pensée spirituelle, c'est pour rendre visible la volonté divine. Donc c'est peut-être ça que le Passou qui nous dit qu'ils ont Raou et Takolot. C'est moins abstrait, c'est moins spirituel, c'est devenu visible. Peut-être. Sujet profond. On a dit qu'on ne fait pas. On effleure le bouquet. Rabbi Amar, Rabbi Abaou Amar, c'est pas de la famille. Keilou écrit Toda. T'entends ou pas? Ouais. T'aimes pas, tu es dans la même maraque que ton fils? C'est écrit trop en gros. Rabbi Abaou Amar, Keilou écrive Toda. Keilou écrive Toda. Je l'ai marre, mais Vim, Toda, Bet Hashem. Il va mieux matérialiser sa Torah, quoi. C'est ça, Zohar et Torah. Pas que le mec, il va mieux comprendre Tosfot. Peut-être aussi, quoi. Peut-être aussi qu'il va mieux comprendre Tosfot. Mais il y a Torah et Torah Traim. Ouais. Il y a Shlilmod. Ouais. Il y a Shlilmod Almenat la Asot. Il y a Shlilmod Almenat et la Med. Parce que la Med, Gam, on doit être. Osé l'ifnet melamed. Je ne peux pas vous enseigner la tfilat mincha comme je vous l'ai enseigné. Je n'avais pas ressenti ce que j'avais ressenti. Si je n'avais pas le lilmod almenat la asot dans ce cas-là, je n'aurais pas pu être melamed. Je ne sais pas quel rapport mincha, je sais particulièrement à quoi ça correspond. Donc la Torah, zoché la Torah, d'être zoché la Torah, c'est la Torah, quoi. C'est pas n'importe quelle Torah. C'est la Torah de Torah Traim. C'est peut-être la Torah qu'il étudiait jusqu'à présent. Il va lui donner une place dans sa vie de tous les jours, quoi. Il va comprendre que la Torah, c'est pas un truc dans la journée, c'est pas un truc spirituel. Ça doit maintenant ça doit m'accompagner, quoi. Ça doit purifier, ça doit m'élever, ça doit sanctifier.
comme à Shavuot, quoi. Mettre sa mère par la Seouda. C'est ça, Zoché la Torah. Torah, kol yom, kol ayom. Refuge ta lolomède à ta batorah. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont morts. Eux, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas envisagé du tout l'histoire. Ils ont eu un grand choc, quoi. C'est pour ça qu'il y a la Torah et la vie, quoi. Comme avec Paro, tu vois. On travaille pour Paro. Mais le soir, les 3-4 heures de semaine, on a notre corps, notre femme. Palginan. On est prêt à donner une partie de notre vie à la Torah, mais aussi notre vie, quoi. Comme le mec qui me dit oui, en France, je fais ce Shabbat et tout, mais ça ne me gêne pas, mais parce qu'on avait dimanche. Donc ça va, dimanche, je fais mes tulim, je suis avec les enfants, mais le barbecue. Mais là, en Israël, je suis venu, il n'y a plus mon dimanche. Donc, alors celui qui fait Shabbat parce qu'il y a dimanche, je vais donner une place à la Torah, mais aussi la vie, à Torah, et puis il y a la vie. Non, t'as pas compris, Torah Traim. Donc, ils sont morts, quoi. Quand ils ont compris que la Torah, c'est pas... Quoi, il n'y a plus de place à la vie. Ils sont morts, quoi. Leur corps, il est mort. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, ah, mais pourtant, en Égypte, on veut retourner là-bas parce qu'on mangeait chinam. Chinam et mitzvot, c'est-à-dire quand on mangeait, on rendait des comptes à personne. Je peux manger avec les mains sales et la bouche sale et les pensées sales. Il n'y a pas de problème. Ça n'a aucune influence sur ma nourriture et sur comment elle va me guérir ou pas me guérir, rien à voir. Je travaille pour Paro, là, je fais ce que je veux. Le peu de temps que j'ai, je fais ce que je veux. J'ai de compte à... C'était là où j'étais vraiment libre. Il y a des heures où je fais ce que je veux. Ah, pourtant, il y a pris chute, mis des RRS. Alors, les 5 minutes où je n'ai pas Paro sur la tête, je suis libre. Je peux penser n'importe quel avéra, on me laisse tranquille. Mais là, il est mort, le mec. Il n'y a plus de place au corps, quoi. Après, il a revécu, non. Justement, je vous parle de ça. Zoché le Torah. Pour être Zoché le Torah, c'est comprendre qu'il n'y a pas. Oui, c'est vrai, j'étudie un petit peu, mais bon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. J'ai besoin de faire mon sport. Mais c'est vrai que j'ai besoin de faire mon sport. Pour la Torah. Pour la Torah. Tout est relié. Zagarine. Garine Torani, comment il dit ça? C'est pas son plan. Il a un grain, le mec, et tu adores. C'est quoi Garine Torani? Rappelle-moi, c'est quoi cette situation? Ah, c'est beau. C'est une belle image. Donc. Kélu écrive Toda. Kélu écrive Toda. Attends, alors j'ai vu un Maharal sur ça. J'ai craqué encore. Ouais, je sais, je m'énerve. Je ne suis pas sérieux. Tout est permis. Mais Mahamar Azé. Je vous fais un partage d'écran pour les mecs. Ça marche pas. Ah, voilà, ça marche. Alors, partage d'écran. Voilà. Alors, les tronches, je les mets tout en parce qu'elles me gênent. Super. Voilà. Donc, il rapporte notre Mara. Il rapporte à la Gemara. Après, il dit, comment ça commence comme ça? Ma'amar azé balevaer lecha dvarim gdolim meod. Vous, Kratan, être le reflet de la Havaya Shelema Eliona. Donc, de l'unité divine supérieure. Après, on dirait, non, c'est un truc, on va faire des gosses.
Non. Ah. Via Sky Loki. Ouais. 60 dollars, tiens. Skalim. Ken. Et donc, Hachenze Avayativit. Hachenze Avayativit. Que l'être qui est généré, l'unité, la réalité qui est générée par le mariage, est comparable à une Avaya, ouais, Elokit, ouais, Shelema, Avaya, Shelema et Ilona. Hachenze Avayativit. On n'a plus l'impression qu'elle a un lien avec la nature. Mais d'avarzé, mais voir, mais bakama, mais komot. Qui enzivu kratan vetera avaya tivit rakavaya lokit ou me'id al davarze qui a mechaber va mezavek ish veisha shem yudke mechaber otam. Ouais, il y a pas du lagmar dans ce tas, ouais. Ouais, le ish, le isha, il y a le yud, il y a le esh, tout ça, on reprend pas ça. Et les fizé, raoui les fizé asimcha qui a simcha et bishvil avaya shlema. La simcha, c'est quoi la simcha? C'est qu'on arrive à une shlemout, la vraie simcha. Donc la shlemout, c'est que dans Hachem. Donc quand tu arrives à quelque chose qu'on parle à Hachem, tu as la simcha. Az mitradesh simcha shlema, kemoshaefer, kasher mitradesh efsed, az uavel. Quand tu as perdu quelque chose, quand il te manque quelque chose, c'est la velout, tu as perdu quelque chose. Quand tu es entier, la shlemout amène la simcha. La perte entraîne la tristesse. Être entier, c'est ça la simcha. Ou bifrat kasher yeshkan avaya elokit elyona, shezikra avaya yoter min avaya tivit, verou leze simcha. Je vais expliquer le chiffre 5. Il y a 5, c'est l'aïd Pashtout. Je ne sais pas si j'ai déjà fait de la Kabbalah maharalienne. Cette semaine, on a parlé de la Kabbalah arizalienne. Là, on va faire un peu de Kabbalah maharalienne. Le Maharal, dans son livre Netzach Israël, qui parle de Geoula Vegalout, dans le Perek Rishon, il y a le terme Gaal avec un Aleph et Galé avec un E. Le même genre de jeu de mots entre Ish et Isha. Ouais. Il y a le Gal. Voilà. Voilà, Galout et Geoula. Donc le Golé, le Gal Aleph, c'est-à-dire la Geoula, c'est quand maintenant le Aleph, c'est le Ichoud. C'est un gal, une vague qui amène au ichoud. C'est gal-là. Et galé, il y a la plage, je fais des ricochets. Galé, ouais. Galé, c'est avec un ré. Alors, le ré, il dit c'est le piso. Parce qu'il y a le échad, il y a un point central. Qui est mis de paser dans les quatre points cordinaux, ça fait 5. Comme ça, il dit le ré, lui. C'est un piso. C'est clali, le ré. Alors, il y a le Shoresh de Goël, Gimel, Aleph, Lamed. Tu as le Gimel, Aleph. C'est comme Ish Veisha. Dans la Geoula, tu as le Aleph au milieu. Et dans le Galout, tu as le E à la fin. En deux morceaux ? Parce que le couf, ça représente la destruction de Beth Amigdash. Ce qui est marqué au sujet de Rivka, quand elle a voulu envoyer Yaakov pour pas qu'il se marie avec les Benot Kenaan, il y a marqué Katsti Bechayai. Il y a un petit couf là-bas. Et le Balatourim, il dit pourquoi il y a un petit couf? Parce que couf, ça veut dire Mea. Mea, c'est les Mea Ama de la muraille de Jérusalem. Donc c'est Mesamel. C'est une symbolique de la muraille qui s'effondre. Et tout celui qui ne fait pas un mariage, ouais, de Kdusha, c'est comme si le Beth Amidrash était détruit. Et tout celui qui fait un mariage, c'est comme si il a reconstruit le Beth Amidrash. Donc c'est un petit clin d'œil à notre histoire. Donc le Kouf, il représente aussi une notion de galout. Et si on voit le E associé au Gimel Lamed, ouais, alors il représente la galout. Parce que le E, c'est le piso. Il dit le piso, c'est quoi? À Ben Adam ou Mefouzar avec lui-même, il n'a pas de Ichoud Amaasé.
comme un ange, je mange pour la Torah, je me repose pour la Torah, j'étudie, je fais du sport pour la Torah, je travaille pour la Torah, je fais tout pour Hachem. Donc, tu es en Géoula. Tu as Géoula. Tout le Gal, il vient vers le Echad. Le Echad, il est au centre. Vous comprenez ou pas ce que je dis? Vous n'aimez pas la Kabbalah maralienne. Mais par contre, quand le mec, il est Bézour, une fois mitzvah, une fois navera, il fait mâcher ballon. Donc, comme un fétu de paille, ouais, sur une mer tumultueuse, où le blanc de l'écume noie ce fétu jusqu'à qu'il soit recouvert par une vague miséricordieuse pour reprendre et pour replonger de plus belle. J'ai failli te réveiller. Il est en train de sombrer dans l'océan Pacifique. Si tu étais algérien, tu aurais été dans l'océan Atlantique. On reprend. Donc le pizour, quelqu'un qui aimait Fouzard, ouais, c'est qu'il fait plein de choses et il ne fait rien. D'accord ? Le hé représente donc la, d'une certaine manière, le pizour. Ouais, la dispersion. Ça représente la dispersion. Donc, quand c'est un gal qui disperse, ce n'est pas bon. Le mec, il est pris dans les différentes ondes et sauf, on a besoin de micro-ondes. Et ici, comment il utilise ? Ouais, les chamisha kolot, les he kolot. Ce Hachem, il est venu être mefazer, être memalé ta olam par ses kolot. C'est l'inverse. Vous comprenez ou pas ? Chamisha kolot. Chamisha kolot de Irmiyahu, chamisha kolot de Matan Torah. On va lire les mots du chamisha kolot du Bekol arvacha yashla itpashtut mikol dalets dadin ve'achamishi shehu be'emtza. Ulkach amar shehu over be'chamisha kolot ki akol umitpashet beyoter. Ouais, le kol c'est l'itpashtut. Ve'itpashtut bechol tzad ve'gam be'emtza. Ve'zehu shlemut chamisha kolot. Pour dire que la simcha elle est mitpachet bakol, ouais. Donc c'est un kol, c'est chamisha kolot. C'est quoi la simcha mitpachet bakol? Dans le ruchani, dans le gashmi, ça remplit tout cette simcha. C'est la mitpachtout, ça remplit tout. Vous comprenez un petit peu ou pas? Je ne sais pas d'où elle sort. Mais le hé représente la mitpachtout. Chamisha kolot, kol sason, kol simcha, kol chatan, kol kala, kol omerim. Il dit le kol simcha, c'est une shlemut. Shlemut ta simcha. Le he, c'est une itpashtut. Itpashtut, c'est la simcha shlema. Itpashet bekol atzad. Elle remplit tout cette simcha-là. Donc c'est représenté par he. Vemash amar kelu ikriv toda. C'est quoi kelu ikriv toda? Pirushki Torah kasher Hashem idbar asal ones. Quand Hashem nous fait un nes. Veitzilo minamita. Et il nous a sauvés de la mort. Ou al kol nes shasalo. Kasher Hashem idbarach asal ones. More ki ou idbarach echad beolamo. Quand Hashem il fait un nes et il sauve de la mort. C'est quoi les opposés? C'est Chametz et Matzah. Mais Mashiou Echad, puisque Hachem Echad, il est collé la colle. Ou Mishiou Echad, collé la colle, vers Shne Afachim. Kamalachim, Michael, Memouné à la Maïm, et Gabriel à la Hesh. La Chen En Echad à colle. Comme maintenant tu viens servir l'ange Michael, Chazvi Shalom, ou l'ange
Michel qui est la Géoula, la Refoua, je ne sais pas, c'est l'eau. Gabriel qui est le feu, ouais, c'est la Gvoura, qui est le Hesh, qui est le Honesh. Alors, ça représente une facette divine. Et quand tu sers Dieu, tu dois servir Hachem qui est Had, il inclut tout, il inverse le din, il incarne le din, il incarne la Rahamim, il incarne le feu et l'eau. Il incarne le Hamet, c'est la Matzah. Donc, quand tu as bien de Hamet, Matzah, pour dire que tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Il dit, Vézé, chez Simchat Ratan Vekala. Asher Ratan Vekala, Zachar Venekeva, Gamken et Mafahim. Le Zachar Nekeva, c'est Mafahim. Vehachem, Idbarach, Meached Otam. Et c'est Dieu qui vient unir ces deux réalités qu'on a dit divergentes. Chare Ayoud, ou Baish, Vehebeisha. L'Omar qui Hachem, Mechaber Otam, Asher Mafahim. Vedaverze, Nirchav, Kemo, Akravat, Toda. Pour pouvoir avoir une harmonie dans le couple, c'est grâce à Hachem, grâce à la Torah, grâce à la Vodat Hachem. C'est Hachem qui permet d'unir. Donc, on voit que ces deux Afarim ont été créés par Dieu. Parce que pour arriver à une unité, c'est uniquement parce qu'on a obéi au mode d'emploi de celui qui les a créés. Comme maintenant, dans un engin, tu as de l'eau et tu as de l'électricité. Si tu ne suis pas le mode d'emploi, tu es électrocuté. Si tu suis le mode d'emploi et que tu arrives à mettre dans ta voiture de l'eau, dans la voiture, il y a de l'eau et de l'électricité. Comment ça peut coexister? Ben quand tu suis le mode d'emploi, tu as de l'eau, l'électricité dans la voiture. Non. Quand tu ne suis pas le mode d'emploi, alors tes cheveux, ils s'hérissent. Si on arrive maintenant à faire que la voiture qui est composée d'eau, de feu et d'électricité, il y a tout dans la voiture. Ça marche. C'est que tu respectes le mode d'emploi du créateur. Et tu as le créateur. C'est un seul créateur qui a fait tout ça. Sinon, ça ne fonctionne pas tout ça ensemble. Ça pète. Donc on vient maintenant glorifier Hachem qui est Echad en envisageant que ces réalités opposées puissent s'unir. On s'investit dans Simchat Ratan Vekala, c'est qu'on s'investit dans quelque chose de possible. C'est quoi Simchat Ratan Vekala? Comment il voit pas sa mère? Parce qu'ils vont pouvoir arriver à une union. Comment ils vont pouvoir arriver à une union? Parce que Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, on ne peut pas arriver à une telle union. Donc on vient quelque part, comme si on apportait une Toda à Hachem, qui vient reconnaître que Hachem, il peut réunir des opposés puisqu'il est à l'origine de tout. Védavarze domé les gamré. La cravate Toda, Michamez, Vematzal, Hachem, Idbar, Bimkom, Acher, Nidbar, Odbar, Echout. Je ne veux pas être marrir dans ça. Je vais juste faire des petits titres. Et je n'ai pas vérifié, parce que je dis que ce n'est pas un sujet qu'on va approfondir. Je n'ai pas fait la liste. En général, j'ai fait la liste de tous les marals qui traitent du sujet pour après voir Bidouk ce qu'il veut dire. Moi, j'ai fait une lecture libre, maralienne, mais à ma façon, avec l'histoire du col, du truc. Parce que c'est ça qui veut dire, parce que non, je ne sais pas. Je suis trop occupé à mon texte, le minra que je suis en train de vous écrire. Je n'ai pas le temps. Tu peux me dire que ce n'est pas sûr que ce qu'il dit là, c'est proche, mais c'est... Dans le Youn. Chaque petite nuance, ça fait que c'est deux choses différentes. Mais ce que je vous dis me rapproche de l'Agmara. Ouais, je me suis rapproché de l'Agmara d'après le Maharal. Parce que j'expliquais Bidyu comme lui. Souvent, je suis le plan du Maharal, mais pas jusqu'au bout, parce que je ne comprends pas tout le temps le Maharal jusqu'au bout. Parce que lui-même, il le dit, il ne veut pas être dévoilé, ou mastir et dvarav, donc il ne finit pas le travail. Lui, il ne finit jamais le travail, le Maharal. Il te donne une certaine direction. Donc moi, je fais comme lui m'a dit de faire, de suivre sa direction et de compléter. Ou l'orot c'est les galotes et tassod. Ou l'orot c'est les galotes et tassod. Et souvent, il répète trois ou quatre fois la même phrase avec des petites nuances. T'as déjà un petit du maral, non? Tu verras, il se répète. Il se répète sans rien dire. C'est un truc incroyable. Vezé avaya eliona, vezé avaya shlema, vezé avaya lokit, velo tivit. Il répète sous différentes formes. À toi de creuser, de trouver le liant de ce qu'il est en train de dire. Ou l'autre, c'est les galotes et tatsmo. C'est pourquoi il ne veut pas être mégalotes et tatsmo, Maral. Parce que pourquoi il a écrit ses pirushim? Parce que les gens, ils se moquaient de Chazal. Les gens qui étudient Kol Sasson, Kol Simcha, quel rapport, Matan Torah, quel rapport, les gens, ils se moquaient. Il y avait des juifs un peu philosophes, ils disaient, mais étudier du Socrate, c'est beaucoup plus intéressant. Étudier du Platon, c'est carré, là. On raconte n'importe quoi, là, dans la Gemara. Et le Maharal, il dit assez. Altarchov, Kara. Et il vient maintenant sauver Chazal des moqueurs. Mais si maintenant il explique dans le détail, rebelote, les mecs disent ah, c'est que ça qu'il y avait. Donc il donne une piste, pas pour convaincre les moqueurs.
les moqueurs, ils se moqueront toujours. Pour donner aux générations suivantes une piste de réflexion pour dévoiler la chokhma qui est dans la chose. Mais il ne la dévoile pas complètement. Il ne veut pas la donner il veut pas la rendre accessible à tous pour qu'on vienne la souiller. Celui qui veut le émettre, il dévoile une partie, à toi de faire le suite. Mais je ne vais pas te la dévoiler après, ils vont encore la souiller. On la souille, on va dire, c'est que ça que ça a été dit, mais n'importe quoi, et ça n'a quel rapport. Et ça. Donc, toute chose dans laquelle tu t'investis pour comprendre, tu la respectes. Quand c'est un travail qui était écrit de but en blanc, et que tu n'as pas eu ta part, ouais, peut-être. Quand tu as dû te casser la tête pour finir le travail, tu respectes beaucoup plus l'idée. C'est tout le saut des Agadot Razal, il dit le Rambam. Dans la Dama de Zraïm. Il y a quelqu'un qui a continué ce travail. Du Maral ? Non. Personne n'a pris. Non. Le Tania, il dit être un Talmid du Maharal. Quand il dit Mipis, Sfarim Vesofrim, c'est le Baal Shem Tov. Le Maharal, je ne sais plus encore, c'est notre autre source d'influence. Et le Arizal. Il a appris le Maharal. Non, pas du tout. Il est avant. Et le Tania, il est après. Et donc, ils disent expliquer le Maharal. Ouais. Mais ce n'est pas vrai, parce que maintenant j'ai étudié un petit peu le Tania, j'ai vu certaines des coups d'œil, j'ai comparé. Vadaï, il est imprégné de l'idée maharalienne, mais c'est Vadaï qu'il ne suit pas le Maharal. Sur certaines marottes expliquées, Vadaï qu'il n'a pas expliqué comme le Maharal. C'est Vadaï, Maharou, je peux vous prouver 1 plus 1 égale 2. Ouais. Mais c'est une certaine approche globale qui a imprégné le Balatania. Il y a un livre aujourd'hui dans Machon Yerushalayim bleu là-bas de Maharal où il est en train de sortir le Rav, il s'appelle Herman. Il va assez vite, il speed Herman. Tu sais, ouais, il va assez vite. Le Rav Herman, il a fait un travail où il rapporte le Maharal. Et on croit que c'est une explication. Ce n'est pas une explication, c'est des tzitoutim en vérité. Il rapporte ce que je ne vous ai pas fait aujourd'hui, par exemple. Les Maharals qui parlent du même sujet. Mais c'est très, très rare qu'il explique. Il y avait un Rav qui était réputé pour expliquer le Maharal, c'est le Rav Shapira, qui est niftar il y a quelques années. Moi je ne comprenais rien, je n'ai pas beaucoup écouté, le peu que j'ai écouté je ne comprenais rien, donc je ne sais pas, c'est des trucs, je pense que c'est l'histoire d'une ville Maharal, il faut vraiment étudier la Torah Béyoun toute sa vie pour comprendre ce qu'il veut dire, quoi. C'est-à-dire, il faut sentir la chose, il faut avoir vécu la chose pour comprendre à quoi, c'est abstrait ce qu'il dit, à quoi il fait allusion, si tu n'as pas tombé un vécu de la chose, tu ne sais pas de quoi il parle. La Torah s'adresse à celui qui l'accomplit. Uniquement. C'était bien. Tu as plus Maharal, donc ça va un peu dans le même truc. Et après, il explique la suite de la Gemara. La Gemara, elle dit. La Gemara, après, elle dit. Elle est où la Gemara ? Après, la Gemara, elle dit. Rabbi Abaou Amar, qui lui écrive Todas, on a vu. Rav Nachman bar Yitzchak Amar. Ah, c'est comme tu as vu l'histoire de Mincha, c'est le troisième Rav Nachman bar Yitzchak. C'est pas Rabbi Abaou au milieu, c'est Rabbi Yohanan. T'as vu? C'est la même structure. Dans l'Olami Adam Zahir Betfila, Mincha, le premier qui s'exprimait, c'était Rabbi Ravuna, Rabbi Chelboama Ravuna. Et le troisième, c'était Rav Nachman bar Yitzchak. Le deuxième, il a dit. C'était Rabbi Yochanan, Aftilat Arvit, et le troisième, c'est Aftilat Shacharit. Et c'est qui le troisième, c'est Rav Nachman bar Yitzchak. Et là, c'est Amar Yochanan, donc au milieu, tu as Rabbi Abaou, mais le troisième, c'est Rav Nachman bar Yitzchak. Il rajoute, il dit non seulement Kelou Zaha la Torah, mais en plus, Kelou Ikriv Toda. Et en plus, j'ai l'impression que c'est la même structure, en plus, où c'est Rak, tu dis Kelou Bana Echat. Mechorvot Yerushalayim. C'est quoi ça? Bana Achad Mechorvot Yerushalayim. Celui maintenant qui est Kol Anéné Miseudat Tratan Vemesamcho Askeilu Bana Achad Mechorvot Yerushalayim. C'est comme si qu'il a construit une des Chorvot Yerushalayim, une des ruines de Jérusalem. Pas le Betamikdash. Ouais. Pourquoi il ne dit pas Keilu Bana Betamikdash? Pourquoi on parle des ruines de Jérusalem? Une des ruines. Donc on ne parle pas de toute la ville. Hein.
Maniel, comment c'est écrit? Et pourquoi chez Nehemar, dans le passage qu'on a vu, qui achive et chez vous, t'arrêtes, qui va Rishona? On parle ici de ramener l'âme d'Israël sur la terre d'Israël. Pourquoi on parle de Yerushalayim dans la Drasha et pourquoi on parle, pourquoi on parle de une des parties? Comprends la question, Nathan, ou pas? Moi, j'aurais Kilou et Bana et Amigdash. Pourquoi pas? Sympa. Dans le passage, on ne voit pas cette idée-là, mais on va trouver un autre passage, je pense, arrangé. Ça arrange. Les mecs sont baisés dans la Gemara et disons ça arrange. C'est à dire. Ouais, d'accord. Je vous déjoute. D'accord. Mais c'est quoi le message? On va quitter la terre, comme on l'a dit tout à l'heure. On va quitter pour mettre la vitesse. On va quitter la ville. Moi, j'ai une idée, les amis. Il y a deux Jérusalem. Il y a une Jérusalem Beth-Amigdash et il y a la ville de Jérusalem. Il y a deux Jérusalem. Il y a le Arabaït et il y a la ville. La ville de Jérusalem, elle correspond à quelque chose. Ouais. Ma sœur chez nous, on mange dans toute la ville de Jérusalem. Il y a une doucha d'Yerushalayim. Il y a une doucha, ouais. Le Corban de Pessah, on peut le manger dans la ville de Jérusalem et pas à l'extérieur. Le Maaser Sheni, on peut le manger dans la ville de Jérusalem et pas à l'extérieur. Donc c'est un Maakom qui a une doucha, ouais, Yerushalayim. On est d'accord? Il n'y a pas là-bas de Toumat Sarahat. Ouais. Différentes. Je ne me rappelle plus la liste, comme d'habitude. Des trucs qui sont. Qui sont. Hein? Ouais. Et donc. Donc il y a une doucha particulière. Mais c'est un lieu de vie. On travaille là-bas, on mange. Il y a des Ouais. Il y a des usines, il y a tout là-bas. Ouais. Commerce. Là-bas, on a un rapport conjugal. Là-bas, on mange de la viande. Là-bas. Pas le kadosh, mais Tamikdash. Les femmes, elles sont dans leur coin, les hommes dans l'autre. Ça ne représente pas très bien le message, le Beth-Amigdash. La ville de Jérusalem, elle représente bien le message. C'est un lieu de Gdusha. Où on arrive, ouais, la ville de Jérusalem représente cette union entre le matériel et le spirituel. C'est là-bas qu'on mange le Maaser Sheni. C'est là-bas qu'on mange le Korban Pessah. C'est là-bas qu'on mange le Korban Chagah et Samarta Bechagecha. C'est pas dans le Beth Amikdash, c'est dans la ville de Jérusalem. Cette union, elle est dans la ville de Jérusalem. Donc, quand on participe à la construction d'un couple, en essayant d'associer de l'union, en disant « Ah, qu'est-ce qu'elle est bien cette femme pour toi, qu'est-ce que tu es bien pour elle ?» Ça va aider l'union. Ça va aider l'union. Quand on participe, c'est ça être mes samères, le Khatan, pour lui ouvrir le cœur et l'aider à avoir trouvé les forces de réjouir sa femme qui va trouver sa place en lui, de voir combien elle est adaptée à lui, toute cette simchat Khatan. Ouais. On participe à une déconstruction qui prouve la possibilité d'union entre le matériel et le spirituel. Donc, tu as construit une partie de... Il y a d'autres mariages, d'autres familles. Une partie de cette ville-là. La ville, elle est constituée de plein de choses. Une partie de cette ville-là. Que à la fin du passage, qu'on a parlé de Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kalla, Kol Omrim. Donc, on voit que l'ambiance du passage, c'est... Le prophète Irmiaou dit aussi que c'est un lieu désert. Un lieu, mais un jour, ce sera un lieu de réunion avec nous-mêmes, avec le couple, avec Hachem, avec le Corban, etc. Ouais. Alors, ils vont revenir, l'âme Israël, pour se réunir avec Dieu. Ce n'est pas un retour à la Ben Gurion, Hasvei Shalom. Ben Gurion, il est là pour uniquement l'aéroport, pour nous faire atterrir. Mais dès que tu sors de l'aéroport, tu dois l'oublier. C'est lui qui a ramené la possibilité qu'il y ait un aéroport ici. Mais lui, il a voulu que l'aéroport se transforme en port. Ouais. On soit un peuple comme les autres. Donc, il faut aérer le port. Ouais. Donc, il faut pas revenir en Israël pour être en Israël, mais pour être Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kalla, Omrim,
Ouais, Omerim, Toda Lachem, Kileolam Hasdo. Vous savez, Kileolam Hasdo, même dans la Galoute, il était Hasdo. La Galoute et les Tsurech Binyan, même dans les Tsara, il est Hasdo. Vous savez, Kileolam Hasdo, à quoi le chesed ? Tout ça, c'est positif. Tout ça, c'est un regard. Pourquoi il dit ça ? Mais on peut dire que ce que nous sommes en train de vivre comme un deuil, ils diront que Léolam Hasdo. Léolam, t'as mis d'ailleurs. La prophétie de Yirmiyahu est pour le temps ou elle est pour je ne sais pas. Peut-être ça, je ne sais pas. Non. En tout cas, ça ne s'est pas accompli tel qu'il a dit. Elle n'est pas revenue au deuxième temple. Il n'y a pas le Aaron, il n'y a pas le truc. Donc, si c'était pour le deuxième temple, ben, on ne comprend pas. A priori, on ne comprend pas. On va voir le pasuk. Kol sason ve kol simcha, kol chatan ve kol kela, kol omrim odu et Hashem, tsevakot, kitov. Hashem. Bizarre pasuk. Hein? Odu et Hashem, tsevakot, kitov Hashem. Il est là en face d'eux. Tsevakot, c'est multitude. Et Hashem. Odu et Hashem. On dit Odou Lachem, c'est quoi la différence entre Odou Lachem et Odou et Hachem? On ne dit pas ni modé Otra, ni modé Lecha, non? Dan, tu peux m'aider là, moi je suis nul dans ça. Aussi. Odou et Hachem. C'est quoi Odou et Hachem? Ok? Odou et Hachem. J'ai du mal à lire ce passage. Je sens que Nathan il va nous donner une idée là. Il n'a pas compris la question ? Grammaticalement. Odou et Hachem. Il est marqué dans Melachim, Beinagef Amecha, on voit dans la prière de Shlomo HaMelech par rapport aux Juifs qui prient le sujet que Beinagef Amertra, non, c'est pas Shlomo HaMelech. Beinagef. C'est quoi ce passage là? Ah oui, c'est la prière de Shlomo HaMelech. C'est ça, la prière de Shlomo HaMelech. Marqué Beinagef Amertra Israël Ifne Oyev. On va avoir perte contre les Goïm. Asher Yechatoula, parce qu'on a fauté, donc on va perdre la guerre. Mais Shavu et Lecha, ils vont faire Tchouva. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un lieu de miracle. Mais Shavu et Lecha. Sinon, qu'est-ce que. Tu étais là vendredi. Shavu et Lecha. Veodou et Shimcha. D'abord, on le voit déjà. Veit Palelou, Veit Hanenou, Lecha, Veit Azé. Veodou et Shimcha. C'est la première fois qu'on le voit dans tout le Tanakh. Et tu sais ce qu'il dit Rashi, chez Chayav Adam Levarech à la Ra'a. Ça a l'air de lié à notre sujet. Vodou et Chimcha, Rashi dit chez Chayav Adam Levarech à la Ra'a. Ils ont fauté. Donc, comme ils ont fauté, ils ont perdu la guerre. Après, ils font Tchouva, ils reviennent au Beth Amidash, ils prient, Hachem les libère. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Je te refais le passouk parce que je sens qu'on oublie tout, surtout moi. C'est ce qu'on fait le vendredi. Tu ne voudras pas le cours du vendredi, c'est impossible de ne pas écouter le cours du vendredi. Veshavu Elecha, Veodou et Chimcha. On a reconnu ton nom. Il dit Rashi, Chayav Adam Levar Halara. J'ai l'impression qu'on a reconnu que notre défaite est venue de toi aussi. Agnès, non? Et on a hérité, et ça existe, Odou Lechimcha. Bah oui, Odou Lachem Kitov qui l'ont rase d'eau. Tu vois, le Ralba, comme on dit,
Veyodou et Chimcha, la tête Jvar, les Chimcha. Comment il traduit? Veyodou et Chimcha, j'ai l'impression que Odou et Chimcha, c'est une chose qui va m'amener à la tête Jvar. Non, parce que Odou. Animodé, autre. Animodé. Animodé, Edze. Animodé, Edze. Parce que Odou, normalement, c'est soit, soit reconnaître, soit remercier. Voilà. En français, on dit que c'est ouais, d'accord. Là, si tu dis c'est reconnaître. C'est des louanges. Non, mais c'est des louanges. Quand il y a les louettes. Quand c'est des louanges. Le Ralbag, veuillez de Chimcha, la tête Shvar, les Chimcha, l'Irvodecha, Kodem Atfila. Le Malbim dit comme Rashi, Vodou et Chimcha, Kemodim Alara. Ah, c'est reconnaître, quoi. On reconnaît ton nom. On reconnaît que tu étais là depuis toujours, quoi. Ah, c'est contre merci. On reconnaît que même ce qui nous arrive de mal, ça vient de toi. C'est pas un remerciement là-bas. On doit finir par remercier. Mais on reconnaît que ce qui nous arrivait, ça vient de toi. Je te reconnais, toi. J'ai reconnu ton nom là-bas. J'ai reconnu ton nom là-bas. Intéressant. Et le deuxième endroit où on en parle dans Melachim, c'est là-bas aussi, encore dans Shlomo HaMelech. C'est quand même incroyable, quoi. Il n'y a que deux endroits dans toute l'histoire du peuple juif où cette expression est utilisée. L'histoire, c'est uniquement dans deux endroits, dans la Tfilat Shlomo HaMelech, Be'atzer Shamaim Velo Yematar Ki Echatulach, la même chose, ouais. Juste après, ouais. Il n'y aura pas la pluie parce que tu as fauté. Alors on va prier El Makom Azeh Vodou et Chimcha, Michatatam, ou Michatatam Yashuvun, Kita Anem. Alors la même tournure de phrase. Tu vois comment il traduit le Targum, c'est terrible. Viodun lishmecha. Les man ta'anem, il dit Rashi. Les man ta'anem. C'est quoi les man ta'anem? Adil Ralbag, Aratson Shemo, qui ta'anem, qui ta'ane, bam chatatam, ve ta'id, al derech omro, ishama, al vianem, ve aratson bouyanem, bam la dat, ksat, c'est quoi? Kita'anem, kita'ane bam chatatam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu comprends Dan ou pas? Ou pas? J'ai mes câbles malheurs, la chou de chatatam, ma cherche ta'anem. Ta'anem, c'est. Kilou Hachem, il a répondu, il a réagi, ta'anem, il a répondu à leur faute. Il a réagi à leur faute. Ouais. Donc, tu as reconnu que c'est Hachem. Tu as reconnu que c'est Hachem qui t'a arrêté la pluie. Ouais. Je reconnais que c'est le mal qui nous arrive. C'est magnifique, cette histoire. Donc, ça, c'était les deux endroits dans toute l'histoire. Chez nous, c'est bon. Alors, c'est ça que je veux expliquer chez nous, justement. Le même, ce qu'il y avait avant, c'est ça. Attends, écoute-moi. Dans toute la Torah Kula, dans tout le Tanakh, cette expression, elle est écrite deux fois dans la prière de Shlomo HaMelech, qui est écrite dans Melachim, qui est répétée dans Divraïm, et dans notre passouk de Yirmiya. C'est tout. That's all. C'est un truc de ouf, quand même. Parce que j'ai fait une recherche de Odou Et. Ah, Odou Et, t'as pas le Odou Et. Si. Ah, il faut se tourner. Attends, j'ai marqué V-Odou Et. Attends, on va voir. Attends, je vais mettre un Odou en racine. Racine. Et l'autre. En tout cas, Odou Et ou Veodou Et, c'est écrit que comme ça. Ouais. Comment on fait racine de Odaya? C'est quoi la racine de Odaya?
Non, il ne trouve pas. C'est quoi la racine d'eau d'ailleurs? Le Aleph, il est du Shoresh, le Aleph. Le Aleph, Oda, il est du Shoresh, le Aleph. Léodote, c'est avec un Aleph, attends. Oda, ah, je l'ai mal écrit. Oda. Voilà, il devait trouver la racine. Alors, il ne me fait pas la recherche d'Oda. Non. Donc, il y a Léodote. On va faire Léodote. Léodote au train. Modé et Hachem. Modé et Hachem. C'est Léa, non? Donc, il y en a plein. Donc, Léodote et Shemer. Otsia Mimasger Nafshi. Léodote et Shemer. Bi Yartiru Tzadikim Kitigmol Alay. Les dotes et schémas pour reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé ça, on peut dire. Ouais. D'accord. Et dans l'air, il faut voir. Ouais. En tout cas, cette expression Odé et Hachem, c'est écrit que dans ça et que dans Yirmiyahou. Hein? Odou, ouais. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Donc, et dans Yirmiya, hein, je expliquais de la même manière. Comment? Odou et Hachem. C'est à quoi, Bérabim? Et non pas? Bah, si, il y a écrit justement sur Julien. Ah, j'ai compris. D'accord, c'est là. Bon, en tout cas, cette particularité que le Targum n'a pas mis en avant, elle est écrite ici, ouais, elle est écrite au sujet de Yirmiya et au sujet de notre prière de Shlomo HaMelech qu'on est en train de travailler le vendredi. Ouais. On devra aborder ce sujet ce vendredi, Bezrat Hashem. Ouais. Et donc, je comprends ici comme Rashi, je comprends ici comme le Maharal, je comprends c'est comme le Korban Toda, de reconnaître que même le mal qui m'est arrivé, ça vient de moi et ça vient d'Hachem pour me rappeler qu'il est là et que je n'étais pas trop là, ouais, pour me ramener à lui. Quoi. Je reconnais qu'Hachem était là-bas. D'accord? Et donc, le passou qui dit « Kol omrim, odou et Hachem tsevakot kitov » reconnaissez que l'Éternel, Dieu de multitude, tsevakot, multitude, tsevakot, multitude, c'est une notion de multitude, tout provient d'Hachem. Kitov, toute cette multitude, elle est Tov. Kitov Hachem. Odou et Hachem, Tsevakot, Kitov Hachem. Qu'il est Olam Razo, parce que depuis toujours, son Chesed, il était bon. Depuis toujours, il était Chesed. Asmevim, Toa, Bet Hachem, Kiyashiv, Et Shvut, etc. Bon, d'accord, ça a pas l'air d'être. Mon explication n'est pas en tout cas contredite par les versets. Elle peut être, sous une certaine forme, confirmée par notre lecture du verset. Je ne dis pas que c'est une preuve, parce que c'est un sujet qui me dépasse, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être contredit par le verset qui, a priori, semblait difficile à lire. On lui a peut-être donné une certaine explication. Que dans le mariage aussi, les disputes, elles sont Léolam Hasdo. Dans le mariage aussi, les déviances corporelles, elles sont Léolam Hasdo. Keshemevim Toda, quand on s'en est sorti, bien sûr. Quand on est encore dans la marloquaise, en face d'eau, attends, Ginette, tu n'as pas vu crier, Ginette. Mais vim toda. Donc, quelque part, on parle du couple au début et du couple à la fin. Il y a le couple au début, c'est col, ça, mais on doit arriver aussi à mais vim toda. Le col omrim odou et Hachem sevakot kitov, Hachem ki omchazdo, on est dit, il est entre les deux. Donc, il peut être dit aussi par le Khatan Vekala. D'une certaine manière, ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisqu'on l'a mis dans le désordre, le sujet. Donc, on essaye que le sasson ve le simcha de notre repas, on parle d'abord de sasson ve simcha, ve khatan ve kala. Les mefarshim, ils expliquent que pour arriver au kol khatan ve kol kala, il faut déjà avoir le kol sasson ve kol simcha. Mais sa mère est atzmenu pour arriver après au kol khatan ve kol kala.
Ouais, le vin, la viande, l'ambiance. Et après, si on a réussi à être mais sa mère, Hatan Vekala, hein, il pourra un jour amener une Toda. J'ai pas entendu? Ouais, d'accord. Ouais. Je vais faire une petite pause pour que ton père réponde à ta question. Après, on va voir ce qu'il a répondu. Et j'arrive. D'accord? Ah oui, c'est le Rav Kook, il appelle Yeme Ava, Yeme Sima. En bas pour commenter le je vais recevoir un calage Nicole. Sors la calage. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Attends une seconde, je ne pas maintenant là. Ah, attends, je m'assois. Ah non, Beth Amikdash, c'est pas du tout ça. C'est un lieu aride. C'est un lieu d'annulation. C'est pas un lieu d'union. Yérou. Shalaim. C'est le Yérou. Beth Amikdash, c'est le Yérou. Et la ville, c'est Shalaim. C'est Shalom. C'est un lieu d'annulation, le Beth Amikdash. On ne fait pas un mariage là-bas. On ne fait pas le devoir conjugal là-bas. On ne mange pas là-bas. On ne s'assoit pas là-bas. Rak Meler David, Yoshev Shama. C'est un macom, tu te tiens devant le roi et c'est le Mama d'Arsina et tu meurs, tu te tues. Tu t'effaces. Regardez, je vous ai fait un texte l'année dernière, il y a 2 ans, je crois. Et c'était sur le Megillat Echa. Et dans Megillat Echa, on parle, voilà, Echa, Yashva, Bada, on parle de quoi? Du Beth Amikdash ou de la ville de Jérusalem? Pourquoi on parle de la ville de Jérusalem? La même question, pourquoi on ne parle pas du Beth Amikdash, on parle de la ville de Jérusalem? On ne parle presque pas du Beth Amikdash. C'est la preuve de la Kdusha, qu'on peut vivre avec Dieu, la ville de Jérusalem. C'est la vitrine de la réussite de la Torah. Alors bien sûr, on a besoin d'avoir au centre la Shrina. Ouais. Le parallèle, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir encore à ça. Non, mais bon, j'ai voulu vous choquer. Mais...
C'est-à-dire, c'est marqué, c'est les escabeaux des pieds de Dieu. Adam, Ragla, je ne sais pas comment s'écrire. Hein. C'est l'escabeau, il n'est pas vraiment là-bas, il a ses pieds là-bas. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas la shrina. Pas... Ne le cantonne pas là-bas, mais il y a une partie de... Une petite partie qui est là-bas. Toute petite. T'es pas là-bas, on était complètement ignorant. La boutique au Conan là-bas, tu le représentes officiellement. Tu n'avais pas compris cette réponse, mais elle est fondamentale. Et Khan Mihorvat Yoshem, on est en train de reconstruire la ville. C'est quoi le Ham Israël? Il y a plein de morceaux, il y a plein de familles là-bas dans Jérusalem. Si maintenant tu as une famille qui vit maintenant, Achdout, Beichoud, à Eloki, à Elion, ouais. Alors, ça, c'est possible que dans la ville de Jérusalem, pas dans le Beth Amikdash. Là-bas, on est mitbatel au Ichoud, on ne reflète pas le Ichoud. On est mitbatel. Là-bas, on puise l'énergie de mitbatlou. On essaie maintenant de la trans. Il y a la marchava et le kol. C'est là on a donné matérialisation à cette marchava. La marchava, c'est dans le Beth Amikdash. Et le col, c'est dans la ville de Jérusalem. C'est clair ou pas? C'est fondamental, ce point-là. Heureusement que tu as reposé la question à laquelle j'ai déjà répondu. Non, j'ai déjà répondu, ça, Nathan, non? Ah, d'accord. J'ai entendu. Ma question est matérielle, ta réponse est spirituelle, j'ai pas fait la question. Merci.